Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue les amis, ce mercredi soir dans la zone aéro, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Daniel. Bonsoir Seb. Comment ça va? Eh ben ça va bien. Bon, on est un peu sous la pluie, enfin ouais. Pas ici mais dehors, mais on va apporter un petit peu de soleil et un petit peu de bonne humeur. Et on va parler d'aéro ce soir, soyez les bienvenus dans la zone et on va faire apparaître aussi notre ami Nico, qui doit être ici, on va le voir. Et oh, tiens, il y a Fred qui est là, salut Fred. Salut Nico, comment est-ce que tu vas? Salut, ben ça va bien et vous-même? Est-ce que vous m'entendez déjà? Oui, on t'entend très bien là, c'est parfait. Salut Nico. Problème de son, là. Ça et change d'avant. Bonjour hein. Daniel. Salut. Ouais. Ben voilà, on se voit à distance. Bienvenue à toutes et tous qui êtes donc connectés ce soir. Il y a pas mal de gens, il y a des nouveaux, ça nous fait bien plaisir. Dans le chat, je vois des messages de Delta Tongo 22, de Elisa 27. Bienvenue, les amis. Soyez bienvenus dans le chat de la zone aéro. Fred aussi, ça faisait un petit moment. MLM 208 est là. MMG7F, évidemment. La team modération. Julo est là aussi. Bienvenue à Sarah Molly qui est là également. Qui est-ce qu'on a eu encore évidemment, il y a notre chère Aïlicia qui est là. Lord Gibus, bonsoir. Voilà, ben y a des gens qui étaient là aussi sur le live de dimanche, donc de Push to Talk. C'est la première dimanche soir, ça s'est bien passé. On remercie les gens qui sont venus en audio, en vocal, puisqu'on a eu des témoignages durant les sujets et ça annonce du bon. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Ça a duré 2h30, on n'a pas vu le temps passer. Donc, pourvu que ça dure. Voilà, grande nouvelle, les amis, je le dis à Nico, je ne sais pas si Nico est au courant, mais aujourd'hui, enfin plutôt hier soir, grande nouvelle, bah ça y est, on a passé les 1000 followers, donc victoire. 1000 ? Ouais, ça y est, on a dépassé les 1000 followers, hier, donc ça s'arrose. santé à vous, bienvenue Free Flight, salut Anaël, qui est là, qui vient d'arriver. C'était super dimanche, Seb. Merci à vous et merci aux chroniqueurs et merci à tous ceux. Alors la prochaine, ce sera le 21. Retenez la date, dimanche 21, 19h, Push to Talk. La prochaine, on en reparlera tout à l'heure en fin d'émission. Bon, je rappelle que si, bienvenue FC Aero 38, si l'émission, le concept de la zone aéro vous plaît, bah c'est simple, déjà vous pouvez cliquer sur la petite cloche en dessous là pour activer les notifications, comme ça vous serez prévenu quand on lance un direct, si jamais votre téléphone n'est pas loin, hop, il y aura la petite notif qui se déclenche et vous ne louperez aucun live. Si vous avez raté le live, pas de problème, vous avez possibilité de revoir les replays. Comment? Assez simplement, y a une condition, c'est d'être sub, donc abonné à la chaîne Twitch. Pour ce faire, ben, vous avez des possibilités, vous pouvez prendre un abonnement, ça coûte l'équivalent de 2 cafés par mois, c'est pas énorme, et ça vous donne le droit déjà de ne plus avoir de pub pendant les lives, parce que Twitch met des pubs, donc ça permet de s'affranchir des publicités et de ne pas avoir de coupure, donc premier avantage, et deuxième avantage, de retrouver immédiatement après l'émission le replay pendant 14 jours, c'est le deuxième avantage. Troisième avantage, si jamais ben vous avez raté, vous n'êtes pas sub, il va falloir attendre 14 jours, au bout du 14e jour, donc au 15e, vous pourrez retrouver le replay gratuitement, librement, sans pub, on va dire, sur la chaîne YouTube de la Zone Aéro. Et également en podcast, si vous êtes en voiture, vous pourrez écouter tout ça tranquillement, à loisir. N'est pas belle la vie? Quand même pas mal. Et merci à Julo d'ailleurs de s'occuper de toute cette partie podcast. Voilà, troisième partie aussi, si vous êtes abonné Amazon Prime, vous pouvez pendant 30 jours vous abonner gratuitement à la chaîne de la Zone Aéro, vous associez votre compte Prime Gaming avec votre compte Twitch, il y a une petite opération à faire, et c'est quelque part Amazon qui vous paye votre abonnement pendant 30 jours, qu'il faut renouveler après. Et bienvenue M Chauve-Souris, bienvenue Martin dans la zone, bienvenue.
Bon bah voilà. Et enfin, oui, dernière petite chose, c'est le Discord que je vais vous partager tout de suite. Le Discord qui est en train de s'animer de plus en plus, hein, parce que ça va devenir un socle d'animation de l'émission de la zone aéro. N'hésitez pas à nous rejoindre. Alors je ne sais pas si le lien est bon, parce qu'à chaque fois j'ai l'impression que le lien est pas bon. S'il y a un des modérateurs pour nous afficher le lien sûr, comme ça au moins on est tranquille. Sur le Discord, vous avez plein de choses. Déjà, vous pouvez retrouver, vous allez retrouver les sujets qui vont être abordés dans Push to Talk avec les chroniqueurs. Vous pourrez venir discuter avec nous en direct pendant les émissions parce que ça passera par le serveur Discord. Donc venez, c'est gratuit, hein. Vous mettez en place, on vous accueille en salle d'attente et vous pouvez participer au sujet si vous le souhaitez. Et puis, il y a l'annonce de tout ce qui est programmation, les futurs invités, voilà. On communique là-dessus. C'est vraiment, on va dire, le canal pour être en contact le plus facilement possible. Donc, sur Discord. Dernière petite chose à propos de l'émission Push to Talk, vous pouvez retrouver dès maintenant on va dire le trombinoscope des chroniqueurs. Il est encore en train de s'étoffer parce qu'il n'y a pas encore tout le monde, mais il y a déjà une grande partie des chroniqueurs qui sont là. Donc vous allez sur le site lazoneaero.fr, rubrique Push to Talk, et à l'intérieur de cette page, vous retrouverez les vignettes de chacun, qui est qui fait quoi, et vous aurez toutes les infos pour augmenter quelque part votre expérience de Push to Talk. Et voilà. Félicitations pour le 1000e. Merci Martin, merci beaucoup. Bon, j'ai fait le tour de l'accueil. Je vous propose tout de suite d'attaquer la première séquence de l'émission. C'est le dépôt du plan de vol. De quoi on va parler ce soir dans la zone. C'est ce qu'on découvre tout de suite. Et le dépôt du plan de vol de ce soir, hop, on va basculer ici et on va faire apparaître le sommaire là. Voilà, à côté de toi, Daniel, tu vas voir. Hop. Ah, pas mal, pas mal. La checklist. Dans un instant, l'actualité du terminal. Alors, vous allez voir, le format d'actualité du terminal ce soir, il est un petit peu différent d'habitude puisque nous avons un invité, on en reparle tout de suite. On va reparler de deux choses dans l'actualité du terminal. Bah, c'est l'actualité un petit peu... dramatique, entre guillemets, de l'aviation qui s'est passée ces dernières semaines. On va revenir sur la collision au sol qui s'est passée du côté du Japon. On va parler également du 737 MAX d'Alaska. C'était aussi un des sujets de dimanche. On va rentrer un petit peu plus en profondeur ce soir dans l'actualité du terminal. C'est tout de suite. Et puis, Daniel, tu nous présenteras une œuvre conséquente. Une œuvre, oui. Voilà, enfin, des œuvres. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez vu la pile de bouquins. On en parle après avec Daniel, puisqu'on va aller... décidément, c'est un numéro japonais. Puisque on sera également du côté du Japon et Daniel va nous parler d'un set de... Je peux donner le nom tout de suite. Oui, évidemment. Monsieur Katsuhiko Tokunaga, qui est un photographe aérien depuis des années et des années. Et tu entretiens une relation un peu particulière avec lui. Oui, que je connais. On se connaît depuis 1986. Ouais. Voilà, et puis on s'est rencontrés pas mal de fois dans le ciel, au sol, voilà. Bon, on en reparlera justement dans cette séquence qui d'habitude est celle de Nico, des ailes et des pages, mais cette fois-ci ça va être avec Daniel. Voilà, et vous verrez, il y a des belles photos, il y a toujours un truc. Voilà donc pour le programme de... Ah, ouais, bah oui, bah Nico. ensuite, la séquence, donc la deuxième séquence de l'émission, c'est celle de notre invité. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Mathieu Soriano, qui est pilote de ligne. Il est également coach mental, entrepreneur. On va voir comment il fait pour pouvoir concilier tout ça. Et puis, en quoi ces services peuvent être intéressants pour des gens, je ne sais pas moi, qui peuvent avoir le mal de l'air, qui peuvent avoir la peur de l'avion. Pourquoi ne pas utiliser ces systèmes-là pour se préparer par exemple à des sélections ou que sais-je. Donc on en parlera avec lui et évidemment, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, donc c'est ici à droite. Nous on les sélectionne et évidemment, au fur et à mesure de l'entretien, on les rappelle, on les incruste. Voilà, vous avez libre antenne dans le chat, donc n'hésitez pas à intervenir, à alimenter de vos questions. Il n'y a, je vous rappelle, aucune question bête, donc n'hésitez pas à poser ces questions et on y répondra avec grand plaisir. Fin d'émission, donc la séquence remise de gaz fort aux questions, comme d'habitude. 5 minutes de libre antenne, et puis on vous parle du programme de la zone aéro pour les semaines à venir. Voilà, et puis en fin d'émission, le générique et le raid. Comme d'habitude, on ne change rien. On a fait le tour, on enlève le sommaire, et tout de suite, bah, je vous propose de démarrer l'actualité du terminal, qui est ce soir, je vous rappelle, est un petit peu spécial. Donc tout de suite, jingle. We'll be right back.
Et on est parti pour l'actualité du terminal et nous accueillons dans la zone aéro Monsieur Michel Polaco qui est avec nous. Bonsoir mon cher Michel, comment est-ce que ça va? Bonsoir. Ah ben voilà. Bonsoir. Il est là. Parfait. Parfait Michel, merci d'être venu pour nous parler ce soir de l'actualité, on disait un peu dramatique, qui se produit en ce moment dans l'aviation de ligne, aviation commerciale. Évidemment, on ne reparle pas, enfin si, on va reparler pour le coup, de la collision au sol qui s'est passée entre l'A350 et le Dash 8. Il y a quelques jours du côté du Japon, et puis aussi ce fameux incident qui est quand même un peu inédit, c'est cette perte en vol de cette porte de secours chez Alaska Airlines. Donc on t'a sollicité pour avoir un petit peu ton avis. On t'a vu beaucoup ces derniers temps sur les écrans de télé à ce sujet-là, t'as été invité. Et déjà pour revenir sur ce crash de Tokyo, est-ce que ça ne te fait pas quand même penser un petit peu à Tenerife, cette histoire-là, de loin quand même, mais un peu quand même? Alors ça ne me fait pas tout à fait penser à Tenerife, parce que c'est vrai que l'année a mal commencé, puisqu'on est seulement le 10 et qu'il y a déjà eu deux accidents qu'on peut appeler graves. Mais en même temps, Tenerife, c'est 580 morts, alors que à Tokyo, dans l'Airbus 350, 379 personnes, zéro mort. Ouais. Et zéro blessé grave. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, parce que ça aurait pu être bien pire. D'ailleurs, vous avez vu que parmi les six occupants du Dash, de les Coast Guard japonais, il y en a quand même cinq qui sont morts immédiatement. Le sixième est assez gravement blessé, mais enfin il s'en sort, il peut parler, il a déjà parlé. C'était le commandant de bord. Quant à l'accident du Boeing 737 MAX 9 de Portland, c'est pareil, c'est un accident parce que l'avion s'est dégradé en vol, donc à partir de ce moment-là, on peut dire que c'est un accident. Mais en même temps, bon, zéro victime, personne aspiré dehors, zéro personne aspiré dehors. Quand on se souvient du Boeing 747 du United en 89, il y avait eu 9 personnes qui avaient été aspirées à l'extérieur de l'avion, ouais, qui avaient été extrêmement abîmées. Il avait perdu, je ne sais plus combien, lui, il avait perdu 7 ou 8 mètres carrés de fuselage. Quant au Boeing 737 d'Aloha Airlines, alors c'est vrai qu'il y avait juste une hôtesse, malheureusement, la pauvre, qui avait été aspirée à l'extérieur, mais l'avion, il avait perdu 35 mètres carrés de fuselage, c'est gigantesque. Et dans les deux cas, les avions s'étaient reposés. Donc, vous voyez, on peut dire que finalement, dans ces deux mauvaises nouvelles, il y a quand même un aspect positif, c'est que le nombre de victimes est quand même égal à zéro pour le Boeing 737 MAX 9, et qu'il y a malheureusement que les Coast Guard qui avaient pénétré malencontreusement sur cette piste, sans y être autorisés, qui ont des victimes. Ok, alors là on est en train de voir justement sur l'écran les quelques documents que tu as pu aussi nous faire parvenir. On voit donc une vue aérienne de l'aéroport. On sait aujourd'hui qu'il y a eu c'est pas une défaillance technique, mais qu'il y avait une barrière stop qui était censée prévenir l'avion qu'il fallait s'arrêter, qui était défectueuse, ou en tout cas qui était en panne, qui n'était pas activée. Et il y aurait aussi des incompréhensions. Est-ce que tu as plus d'infos à ce sujet-là? Les Japonais ont publié très précisément les conversations entre les avions et l'ATC, la tour de contrôle. Donc clairement, l'Airbus 350 de Japan Airlines était autorisé en approche, puis autorisé à se poser, ce qui lui a été répété. La météo n'était pas très mauvaise, mais enfin bon, il y avait quand même des nuages jusqu'à 2000 pieds à peu près d'altitude. Et le Dash 8 a été autorisé à rouler jusqu'à la bretelle et au point d'arrêt C5. Alors bretelle et point d'arrêt C5 qui se situent à peu près, on va dire, au milieu de la piste. Sachant que quand on pénètre par cette bretelle, on tourne le dos à l'entrée de piste. Donc de l'avion, il est bien évident que si on pénètre ou si on s'approche de la piste, on ne peut pas véritablement voir s'il y a un appareil qui est en approche. Alors la collision a eu lieu après que la 350 ait touché le sol et qu'il ait déjà un peu roulé. Malheureusement, la nuit sur les aéroports, il y a énormément de lumière.
Les lumières des balisages latéraux des pistes, les lumières des balisages axiaux des pistes, les lumières des taxiways, les lumières d'un certain nombre d'avions qui se déplacent sur la zone aéroportuaire. Et manifestement, l'équipage de l'Airbus 350 n'a pas réussi à discerner les quelques lumières que représentait ce Dash 8 qui était aligné au milieu de la piste. Déjà à peu près 30 secondes avant que l'avion touche, et l'avion a touché, et il y a eu cette collision entre le nez de l'avion et le Dash 8. Alors on peut noter quand même que l'évacuation s'est faite d'une manière assez remarquable, puisque derrière les informations que j'ai, on peut dire que maintenant l'évacuation s'est faite des 379 occupants à peu près dans les 2 minutes qui ont suivi l'arrêt de l'avion, ou de ce qu'il en restait, puisqu'il était déjà assez abîmé. Apparemment, certains membres d'équipage sont descendus après, plusieurs minutes après. Alors, on dit 8 minutes, 10 minutes, bon, je ne sais pas, ça reste à vérifier. Et quand on voit ce qui reste de l'avion, bon, alors à la nuit, 1h du matin, quand le feu était éteint, il reste vraiment plus grand-chose. Mais enfin, on voit quand même que ce fuselage, cette cellule qui ont brûlé, ont quand même laissé suffisamment de temps aux passagers et aux occupants pour sortir. Et en plus, ils ne sont sortis qu'en utilisant 3 des 8 issues. Alors, vous savez que les avions sont certifiés pour pouvoir être évacués en 1 minute 30 en utilisant uniquement la moitié des issues. Ouais. Issues de secours et portes. En l'occurrence, sur 8, il n'y en a que 3 qui ont été utilisées, 2 devant et 1 à l'arrière gauche. Et ça a permis quand même de procéder à cette évacuation. On peut probablement dire grâce au talent de l'équipage, et on peut dire aussi grâce au talent des passagers, parce que la discipline est le principal facteur de réussite de ce genre d'évacuation. S'il y a des gens qui se retournent, qui cherchent à reprendre des bagages, qui veulent s'assurer de quelqu'un qui est plus en arrière pour l'accompagner, ça bloque, et si ça bloque, l'évacuation ne peut pas se faire. Ça me rappelle cette catastrophe qui s'était produite en Arabie Saoudite, où un Tristar s'était posé, c'était à Jeddah, je crois, il y a longtemps, hein, il y a 20-30 ans, et à l'époque, l'avion s'est posé avec le feu à bord et personne n'en a réchappé. Pourquoi ? Parce que tout le monde s'est aggloméré, agglutiné devant les issues de secours. Il n'a pas été possible de les ouvrir. Vous vous rendez compte ? Bon, alors là, c'est un petit peu différent puisque les gens étaient assis lorsque l'avion a terminé sa course et les personnels ont très rapidement ouvert les portes. Mais il n'en reste pas moins que si on ne peut pas évacuer rapidement, il y a obligatoirement des gens qui sont asphyxiés, puis brûlés, etc. Donc ça s'est bien passé. On peut penser que la discipline asiatique y est pour quelque chose, aussi bien pour les personnels de bord, les PNC, les membres d'équipage commercial, que pour les passagers et passagères qui étaient à bord de cet avion. Okay. Voilà ce qu'on peut dire. Bon, maintenant, les informations sur les conditions, c'est que manifestement, il n'y a pas eu de faute de la part des contrôleurs, même si la phraséologie qui a été employée n'a peut-être pas été suffisamment, pointue. Il est vrai que l'autorisation de pénétrer sur le taxiway C5 et de s'arrêter au point d'arrêt C5 n'a pas été assortie d'une répétition flagrante sur interdiction de pénétrer, etc. Alors que quand on autorise un avion à utiliser une bretelle d'accès qui n'est pas à l'entrée de piste, on sait que cet avion aura peu de possibilités pour voir lui-même et que s'il commet une erreur, cette erreur va être difficile à détecter, surtout de nuit, pour un équipage qui se pose et pour l'équipage qui s'aligne puisque lui ne peut pas voir derrière lui. Ouais. Voilà ce qu'on peut dire. Est-ce que on a une raison, ou est-ce qu'une raison a été annoncée en tout cas, de savoir pourquoi ce Dash il est resté pendant 30-40 secondes immobilisé sur la piste et qu'il n'a pas procédé par exemple à décollage ? Alors, il n'a pas procédé au décollage parce qu'il n'a pas été autorisé à décoller. Deuxièmement, les contrôleurs de tour qui étaient là ne l'avaient pas autorisé à décoller. Et non pas dans le brouhaha lumineux,
perçu qu'il avait pénétré la piste. Le stop-bar, qui est fait pour en principe être une sorte de dernière alerte lumineuse, ne fonctionnait pas. Le commandant de bord a dit qu'il avait été autorisé à s'aligner et il est très probable qu'il a fait ce qu'on appelle une erreur de représentation, c'est-à-dire qu'il a compris vous êtes autorisé à pénétrer sur le taxiway et vous devez vous arrêter au point d'arrêt C5 et que dans sa tête, il a interprété ça comme je suis autorisé à m'aligner et j'attends pour décoller. Voilà, c'est une erreur de représentation, c'est une erreur humaine. Ça nous arrive à nous aussi quelquefois d'entendre quelque chose qu'on voudrait entendre à la place de ce que nous avons réellement entendu. Il est vrai que ça peut avoir des conséquences évidemment absolument épouvantables quand il s'agit d'aéroports et de transports aériens, que dans notre vie courante, la plupart du temps, ces choses-là n'ont pas beaucoup d'importance. D'accord. Mais c'est très probablement ce qui s'est passé. Il est de bonne foi, c'est manifestement indiscutable. Les contrôleurs n'ont pas vu cet avion dans le brouhaha lumineux, comme je vous l'ai dit, et l'équipage de la 350, 50 secondes avant le choc, hein, avait donc devant lui cet avion qui était au milieu de la piste, qui représentait peu de lumière par rapport à l'ensemble des lumières qu'il avait devant lui, et l'équipage, qui avait aussi d'autres occupations, n'a manifestement pas eu, je dirais, la vue de cette situation, et en plus n'en a pas eu la méfiance. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas véritablement d'outils très au point pour permettre d'éviter ce genre de situation. Il y a un système à Roissy sur quelques aéroports qui s'appelle RWSM, qui est un système de lumineux, de route lumineuse en quelque sorte, qui accompagne l'avion en vert ou en rouge selon qu'il est autorisé à avancer ou pas avancer. C'est un peu plus sophistiqué que le stop bar des Japonais, mais bon, on sait que quand un avion par exemple est sur une zone lumineuse, il voit devant lui mais il voit pas tellement dessous. Si à un moment donné l'ensemble des lumières change, eh bien c'est pas évident de voir que ce sont les lumières qui sont dessous qui ont changé. C'est pas terrible. Il va falloir qu'on arrive à développer, en utilisant les systèmes ADS-B, radar, etc., des aides. À l'époque de Tenerife, déjà, on avait des radars sol, hein, mais ça n'est pas suffisant, ça n'est pas suffisamment précis. Les barrières que ça représente n'alerte pas avec suffisamment d'insistance les équipages et les contrôleurs. Ouais, d'accord. Ok, merci pour ce point et ces lumières, si on peut dire, on reste dans l'aspect lumineux des choses, sur cet incident. Et le deuxième, justement, c'est ce fameux 737 MAX d'Alaska Airlines qui fait un peu grincer les dents du côté de chez Boeing, puisque ça date de cet après-midi. On sait que les avions étaient arrêtés pour inspection et United a découvert qu'il y avait des écrous qui étaient desserrés sur un certain nombre de ces modèles. Donc ça fait poser tout un tas de questions et le NTSB est dessus. Alors qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Ben, si vous voulez, on peut dire beaucoup de choses, je dirais hélas, parce que c'est le témoin, c'est la signification d'un malaise manifeste chez Boeing, alors sur cet avion, ce Boeing 737, qui a été bricolé, rebricolé, etc., et qui en est à sa quatrième génération, et probablement une génération de trop. On l'a vu à l'époque, on a installé les moteurs LEAP dessus, qui sont beaucoup plus gros que les moteurs CFM56. Ces moteurs étant beaucoup plus gros, ils ne pouvaient pas passer sous les ailes. Donc déjà, les CFM56, si vous vous souvenez, sur les Boeing 737, avaient été aplatis en dessous. Tous les équipements qui étaient sur la partie basse avaient été enlevés et mis sur le côté. Et les moteurs étaient aplatis pour avoir une suffisante garde au sol sous les ailes. Bon, quand on a mis les moteurs LEAP, ça n'était plus possible, et donc on a décidé de les mettre un peu plus en avant et un peu plus haut. Le problème, c'est que plus en avant et plus haut, dans certaines phases d'atterrissage, de décollage, mais essentiellement de décollage, l'avion, lorsqu'il est cabré, ses moteurs soufflent mal ou empêchent de souffler une partie des ailes qui sont derrière les moteurs. Donc ça a des incidences très importantes sur l'aérodynamique de l'avion et sur sa portance. Donc chez Boeing, quand ils s'en sont aperçus lors des essais en vol, et c'est déjà déplorable qu'ils ne s'en soient pas aperçus en faisant des calculs en soufflerie et des calculs d'aérodynamique,
À l'époque, ils ont inventé leur fameux MCAS, ce fameux système qui pousse le nez de l'avion vers le bas. Et on sait que pour la catastrophe de Lion Air ou la catastrophe d'Ethiopian, c'est parce que l'équipage poussait, tirait moins fort et moins vite que le MCAS ne poussait fort et vite, qu'à un moment donné, l'avion est allé s'écraser parce que l'équipage n'arrivait pas à lutter contre le système développé en secret sur l'avion, puisque c'est un système dont l'équipage ignorait l'existence. Ouais. Alors, cet avion-là, le 737 MAX 9, donc ces avions ont été remis en vol. Après, je dirais, un changement de règle de l'utilisation du fameux MCAS, qui du coup, d'ailleurs, ne sert pas à grand-chose, mais enfin bon. Et sur le MAX 9, alors le MAX 9 peut transporter en gros entre 170 et 230 passagers. Dans les versions un peu plus courtes, qui transportent donc que moins de 200 passagers, il a été décidé que les compagnies, si elles le voulaient, pouvaient gagner une rangée de sièges en supprimant deux issues de secours, c'est-à-dire en les condamnant. Vous savez, les sièges devant les issues de secours sont plus éloignés, donc ça fait perdre de la place. Donc on pouvait rajouter une rangée de sièges, donc gagner un peu plus de sous, en condamnant deux issues de secours, puisqu'on doit avoir un certain nombre d'issues de secours par passager, et qu'à partir du moment où on était en dessous de 200 passagers, on pouvait se passer de deux issues. Et alors là, ils ont inventé un truc qui est assez incroyable, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, comme la plupart des avions au monde, des issues de secours qui sont fermées par des panneaux qu'on ouvre de l'intérieur, et qui donc, lorsque l'avion est pressurisé, sont plaqués contre leur système de fixation et contre le fuselage, et sont impossibles à ouvrir. Demain, vous montez dans un avion, je sais pas, prenez un Airbus 320, un truc comme ça, essayez d'ouvrir une issue de secours, vous n'y arriverez pas. Vous pourrez enlever le cache, ensuite vous pourrez tirer la manette, mais l'issue, vous ne l'enlèverez pas lorsque l'avion est pressurisé, vous l'enlèverez au sol, mais vous ne l'enlèverez pas quand l'avion est à 18, 20, 30 000 pieds. Sur cet avion, sur ce Boeing 737 MAX 9, ils ont fabriqué un troisième système d'issue. Alors, vous avez donc les portes qu'on connaît, qui s'ouvrent la plupart du temps par l'extérieur, mais qui ont des systèmes de fixation extrêmement sophistiqués. Vous avez les issues de secours qui, en principe, s'ouvrent vers l'intérieur et qui ont aussi un système de fixation assez sophistiqué, mais qui, en plus, sont naturellement bloqués, fermés par la pressurisation de l'avion. Et là, ils ont inventé un système qu'ils appellent un plug, qui se met par l'extérieur, qui repose sur deux systèmes à ressort, et donc ce plug de l'extérieur, on l'insère au-dessus de ces fameux ressorts, on le pousse vers le bas, ensuite on l'enquille dans l'emplacement, et en le laissant remonter, il se bloque, et il y a un certain nombre de câbles et un certain nombre de vis qui normalement le bloquent pour empêcher que ça puisse s'ouvrir lors d'éventuelles déformations de la cellule quand l'avion est en vol. Sauf qu'il n'y a absolument rien qui ferme sur les côtés, et puis qu'évidemment on ne bénéficie pas de l'intérêt et de l'avantage de la pressurisation de l'avion pour bloquer l'issue. Donc cette issue du troisième type est une issue qui en soi est une issue qui protège moins bien l'avion. En plus, il n'y a pas de dispositif secondaire de secours, de fermeture. Et pire que ça, on s'aperçoit que, alors donc, mauvais concept, ensuite on s'aperçoit mauvais montage, puisque on démonte des avions et on trouve de la boulonnerie qui n'est pas terminée de visser, ou même qui traîne au fond des gorges, des gouttières. Et ça, franchement, c'est pas à l'honneur de Boeing. Puis alors, on va rajouter la troisième couche, c'est que cet avion a eu trois alertes pressurisation dans les jours précédents, et que la direction de la compagnie Alaska a dit « bon, on ne va pas le faire voler sur les routes en direction d'Honolulu, etc., ou les routes océaniques, enfin pacifiques, on va l'utiliser uniquement sur les liaisons terrestres ». Enfin bon, quand un avion dépressurise en vol, et surtout s'il est victime d'une dépressurisation explosive, qu'il soit au-dessus de l'eau ou au-dessus de la terre, de toute façon, ça ne laisse pas aux passagers le temps d'apprendre à voler suffisamment vite. Donc, quoi qu'il arrive, c'est quand même aussi pas normal que la compagnie Aloha
n'est pas pris très au sérieux, parce que la pressurisation sur un avion, c'est quelque chose qui est très sérieux. Ouais, les premières catastrophes des premiers jets, les comètes, vous vous souvenez, ça a ruiné la carrière des comètes. Il y a eu depuis un certain nombre de cas de dépressurisation. On se souvient de Helios, par exemple. On parlait tout à l'heure du 747 et de United et du Boeing 737 d'Aloha. Il y a eu d'autres cas. Il y a eu un avion en Grèce, vous vous souvenez, qui lui a été victime non pas d'une dépressurisation brutale, mais au contraire très lente, qui a trahi l'équipage, qui a perdu connaissance et l'avion est allé s'écraser, faisant, je ne sais plus, 110-115 morts, j'ai oublié maintenant. Et des avions de chasse l'ont suivi, ne répondaient plus. Personne ne pouvait rien faire pour cet avion dans lequel apparemment il y avait encore un steward qui était vivant, mais qui n'a pas été en mesure de reprendre les commandes. Ouais. Donc voilà, donc la pressurisation, ce n'est pas un truc avec lequel il faut rigoler dans le transport aérien. Et ça a été traité sans doute quand même avec un minimum de légèreté. Et puis bon, quand même, cet avion, il n'avait que 153 vols à son actif. Il avait été livré au mois d'octobre. Donc ça veut dire que ça s'est quand même dégradé très très vite. Enfin, dernier point, dans l'avion, il y a un enregistreur des conversations de cockpit et un enregistreur de données. Et sur cet avion, tout neuf, l'enregistreur de conversations de cockpit, appelé CVR ou DCVR, ce qui est le cas quand c'est un système moderne et avec des systèmes, des enregistreurs statiques, il ne fonctionnait pas. Donc on n'a pas entendu non plus, on n'entend pas, et les enquêteurs n'entendront pas ce qui a été entendu par l'équipage et qui l'a alerté et qui l'a amené évidemment à prendre sa décision de descendre vite, de se dérouter et de revenir se poser à Portland. Donc vous voyez, ça fait quand même beaucoup de choses qui sont relativement négatives dans cette affaire. Alors est-ce qu'on ne peut pas aussi se poser cette question, de se dire déjà, première interrogation, c'est... Comment se fait-il que la FAA autorise un constructeur à certifier lui-même ses machines? On peut penser que on passe au travers d'un filtre de sécurité, on n'a pas le second regard extérieur. C'est comme si on avait un pilote, un commandant de bord et un copilote, et qu'on dit au copilote, toi t'es là, tu regardes, mais par contre c'est moi qui prends toutes les décisions et tu dis rien. On s'affranchit d'un contrôle supplémentaire. Et est-ce que quelque part, comme tu le disais, comme ça a été bricolé, on n'est pas quand même sur un problème de réchauffage, entre guillemets, pour ne pas recertifier un nouvel avion qui coûterait beaucoup plus d'argent. Donc, est-ce que finalement, c'est pas l'argent qui est au cœur du problème ? Alors évidemment, l'argent est au cœur du problème. Boeing a renoncé il y a presque 20 ans, il y a 15 ans, à fabriquer un avion nouveau pour concurrencer son concurrent, la famille A320, Airbus. Bon, ils ont annoncé, c'est une erreur grave qui paye cher aujourd'hui, mais ils étaient extrêmement pressés de répondre à la concurrence. Ils étaient à peu près sûrs qu'Airbus allait lancer un avion remotorisé, plus moderne, plus économe en carburant, etc. Et donc, ils ont décidé de faire une quatrième génération de leur avion pour faire des économies. Parce que fabriquer un avion nouveau, ça coûte 15 milliards de dollars, en gros. Fabriquer un avion sur lequel on a modifié les moteurs et puis l'électronique de cockpit, ça coûte 3 milliards de dollars. Il y a une grosse différence. Alors, le staff de Boeing, à l'époque, a fait ce choix, ce qui, évidemment, était un mauvais choix. Et puis, alors, suivi tout un tas d'autres mauvais choix, parce qu'évidemment, comme il a fallu faire une version Mach 7, Mach 8, Mach 9 et Mach 10, Mach 10, eh bien à chaque fois il a fallu faire des modifications, etc. Tout cela se faisant avec des STC, c'est-à-dire des autorisations de modification sur un avion certifié, mais sans recertifier l'ensemble de l'avion. Donc c'est un vieil avion, c'est un avion qui a 60 ans, qui est construit et conçu selon les méthodes et les réglementations qui datent d'il y a 60 ans et qui bénéficie du droit de voler parce que c'est le droit du grand-père, si on peut dire, mais qui en fait ne répond plus aux normes d'aujourd'hui. D'ailleurs, il faut reconnaître que Airbus, avec son A320, répond aux normes de son époque de certification, c'est-à-dire même 1987, et ne répond pas aux normes de certification de 2020. Mais bon, tous les constructeurs font ça, sauf qu'il y a un moment où on est un peu trop loin de la bonne époque de certification, c'est-à-dire on fait des impasses sur des choses importantes. Donc voilà, ça c'est quand même un souci. Alors la FAA et on peut dire le ASA en Europe, ce sont des institutions qui autrefois avaient un pouvoir et un savoir, et leur savoir leur permettait d'exercer leur pouvoir. Mais aujourd'hui, les avions sont tellement complexes
qu'il faut être ingénieur dans les entreprises de transport de construction aéronautique pour être capable de juger de la pertinence de la certification des systèmes et des avions. Donc, bon an, mal an, on a la présence permanente chez les constructeurs de représentants de l'autorité de certification. Et puis, ces représentants, bah, ils suivent la construction, ils suivent les évolutions, mais ils suivent. Et bon an, mal an, ils font par nature beaucoup confiance aux ingénieurs, aux techniciens, etc., qui, eux, conçoivent dans les bureaux d'études, puis ensuite fabriquent et essayent les matériels. Alors, on s'est aperçu, quand il y a eu l'affaire du 737 MAX de Lion Air et d'Ethiopian, que la FA a été vraiment très, très, très loin d'un système de vérification sérieux et rigoureux, et qu'elle avait délégué beaucoup de son pouvoir de certification à Boeing. Depuis, apparemment, officiellement, elle a repris du pouvoir dans le procédé, dans le processus. Mais bon, il n'y a pas d'avion nouveau non plus chez Boeing. Donc, si vous voulez, il s'agit de certifier des modifications. Et celle-là a dû être modifiée, celle a dû être certifiée. L'installation de ces plugs, elle a dû être certifiée. Manifestement, personne ne s'est inquiété du fait que... on était dans un processus qui offrait peu de sauvegarde en cas de pépin. D'accord. Mais bon, vous savez, chez Airbus à Toulouse, ou à Hambourg, ou à Renton, ou à Tianjin en Chine, il n'y a pas en permanence des certificateurs qui vérifient tout de A à Z. Et là aussi, il y a des délégations qui sont faites. Alors sans doute un peu moins aujourd'hui qu'hier, parce que tout le monde a tiré les conséquences de ce qui s'était passé entre la FAA et Boeing, mais il n'y a plus les personnels et les compétences qu'il y avait autrefois au sein des administrations qui font la certification. Voilà. D'accord. Ok. Ben, merci beaucoup, Michel, hein, pour ton regard et ton expertise justement sur ces dossiers. Et ça fait du bien d'avoir un petit éclairage un peu plus technique que ce qu'on a forcément d'habitude d'entendre dans les médias. Merci beaucoup, Michel. Bonne soirée. Et puis, ben, au plaisir de te retrouver dans la zone aéro. Peut-être pour un sujet plus... Un petit jour. Merci beaucoup. Bravo. Salut. Merci Michel. À bientôt. À bientôt. Hop. Ah non, là j'ai enlevé Nico. J'ai enlevé le bon. Hop. Voilà. Nico va revenir. Voilà, il va réapparaître. Reviens Nico. Je reviens. Non, vous m'entendez toujours? Ouais, c'est bon. Ouais, ça marche. Ouais, non, je disais, c'est... ce que disait Michel, hein, j'ai noté plusieurs trucs, hein. Notamment en ce qui concerne la collision au Japon. Un sabre instructeur, donc une très très grande importance, bah, de toute façon Daniel aussi, hein, une très très grande importance dans les termes, hein, au niveau des échanges radio, hein, donc il faut être très très précis en fait, pour bien respecter ça, et puis il y a un truc aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand il y a un doute. Il ne faut pas hésiter à lever le doute avant de faire quoi que ce soit. Quoi. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ouais, c'est ça. Il y a autorisé, ou quoi, si on a un doute, et ben, on ne fait pas ce que sur quoi on doute. Quoi. Mmh. Donc, voilà. Ouais. OK. Pour la porte, c'est vrai qu'il y a des portes de toilettes qui sont plus fiables. Ouais, on ne va pas donner de nom de marque quand même, ce n'est pas le but. Bon, en tout cas, oui, ça faisait plaisir d'avoir cet éclairage un peu technique de Michel. Dernier petit sujet, Daniel, des ailes et des pages, où on va parler de livres de photos aujourd'hui. Alors, hop, tac, voilà. Alors, donc, est-ce que tu peux nous dire, alors c'est toi, on te... Alors oui, c'est moi, avec Monsieur Tokunaga. Alors Monsieur Tokunaga, c'est un photographe aérien, un air-to-air, on va dire, comme on dit dans le métier, là. Et il fait, c'est son métier depuis 1978, parce qu'il était photographe. Et un jour, il a fait un tour en place arrière dans un T-33. Et ça lui a plu, et il y a eu une... comme ça arrive souvent... Il a eu une révélation, et depuis 1978, eh bien, il fait des photos, il est en place arrière, ou il est dans des avions de transport, ou dans les soutes, enfin, il est en l'air tout le temps.
Et il était à la recherche en permanence de la photo, quoi. Ouais. Et pour ça, il va voler, surtout, il vole, il a volé, et il va continuer à voler d'ailleurs. Il est quand même né en 1957. Donc, il est comme tous les pilotes, il a une aptitude à avoir tous les ans. Il faut son aptitude, ses visites et tout. Et il va voler avec tous les avions dans le monde entier, on va dire, tous les chasseurs en général, toutes les patrouilles. Et il va chercher, il va parcourir le monde pour essayer de faire des photos, des belles photos. Bon, il a des photos assez particulières et ses photos. Il a un style, tu veux dire. Il a un style, ouais. Il a un style, quand on regarde la photo, bon, pas toutes, bien sûr, hein, mais quand on regarde la photo, on se dit, mais enfin, moi, c'est la question que je lui posais au début. Parce que par moment, il fait des photos d'avion comme ça, et lui, il est a priori trois quarts avant, quoi. Hein. Donc, on s'imagine quelqu'un en place arrière avec un appareil photo, et les avions sont en manœuvre et tout, donc c'est quand même spécial comme photo. Donc, je lui ai posé souvent la question, et il m'a dit non, il me dit c'est facile, il me dit il faut juste appuyer sur le bouton. Donc, il y a de l'humour en plus. Il m'a jamais expliqué, bon, enfin, après, je sais comment il travaille, bon, c'est beaucoup de briefing. Et c'est quelqu'un qui sait, quand il va quelque part, quand il va dans une escadre, dans une patrouille, c'est qu'il a une idée en tête. Et il va regarder du sol ce qui se passe en vol, et il va dire, OK, là, je vais aller faire ça, je vais aller faire ça, je vais aller faire ça, et briefing ensuite, et il va rechercher la photo. Ouais. Voilà, c'est pas un mitrailleur, hein. Comme on en voit souvent, c'est pas quelqu'un qui mitraille, c'est quelqu'un qui va chercher la photo. Lui, il veut, sur son téléphone, il a tout ce qu'il faut pour l'orientation du soleil. Il lui faut une certaine heure pour prendre sa photo. Les nuages, il ne faut pas qu'il y en ait trop. Enfin, voilà. Ouais. Donc, s'il manque quelque chose, il fera la photo, il ne vole pas. Il reste dans son coin. Donc, c'est quelqu'un qui est, je ne l'ai pas dit, mais qui est très discret. Qui passe totalement inaperçu. C'est le flegme japonais. Oui, voilà. Ensuite, quand il est en place arrière dans l'avion, il est également très discret. T'as volé avec lui ? Oui, j'ai volé. Je ne sais plus quoi, une fois avec lui. Il me l'avait dit une fois, mais le chiffre m'a paru tellement énorme, mais ça doit être vrai. Enfin, bon. D'accord. Voilà. Et on ne le sent pas en vol. Il est là, il subit. Parce que des fois, franchement, il y a des vols, quand on descend, on lui dit « ça va ?» Ouais. Ouais, ça va. Mais surtout avec l'appareil, en plus. Oui, en plus avec l'appareil, donc voilà. Donc c'est quelqu'un qui a 2100 heures de vol. Là, il y a un petit prospectus là où on voit tous les avions. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit bien à l'écran. Où on voit tous les avions sur lesquels il a volé, tous les pays dans lesquels il a volé, toutes les armées, enfin voilà, donc c'est un gars extraordinaire. Ouais, et 2000 heures passées sur avion jet en plus, jet ouais, time. Ouais, voilà, donc ça, il a eu ça du Tiger, là, ils lui ont fait un certificat. Et voilà, alors, ensuite, c'est quelqu'un de très gentil. Très professionnel. Moi, j'ai eu affaire à lui quand on a fait le bouquin pour le 60e de la PAF. Il fallait une photo de couverture. Donc, je savais que tel jour, il faisait un vol. Donc, il volait un jour. Il faisait un trajet, je crois. Il faisait pas une série. Et je lui ai dit, ouais, il me faudrait une photo, c'est pour le bouquin, parce que dans ce bouquin, tu vas y travailler, tu vas faire des photos et tout. Mais la photo de couverture, je lui ai dit, c'est toi qui fais la photo de couverture. Donc, il m'a dit, bon, OK. J'ai dit, OK, ben, j'attends, envoie-moi des photos et on verra. Et un jour, je reçois un mail de Katsu, oui, parce qu'on l'appelle Katsu, c'est un diminutif. Et il y a une photo. Et donc, j'ouvre la photo et... Il avait fait la photo. Ouais, c'est celle-ci, là. Alors, attends, on va mettre la caméra de droite, là. Il a fait une photo. Alors, est-ce que la caméra de droite fonctionne ? Ouais, alors, je vais juste revenir ici, comme ça, on la verra en grand. Voilà, tu peux l'approcher là-bas. Voilà, il a fait une seule photo, il me l'a envoyée. Et il m'a dit, voilà, ça te va ? J'ai dit, c'est bon, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'en voir plus. C'est pas la peine, on va pas chercher plus loin. Donc, voilà, on a fait le bouquin avec cette photo. Après, c'est quelqu'un de très, très gentil. J'ai fait un vol, mon dernier vol, quand j'ai quitté la sécurité civile. Je l'ai fait... C'était celui-là, non ? Ah non, là, c'est un autre. Je l'ai fait également avec la PAF qui est venue à Nîmes.
Et j'ai dit à Cassou, j'ai dit, t'es où tel jour, telle heure et tout. Il me dit, ah, je suis en train de faire des photos aux États-Unis, je ne sais pas où. Bon. Et il me dit, c'est quel jour, c'est quelle heure c'est tel jour, telle heure. Donc il me dit, bon, je viendrai, mais il faut que je sois en place arrière dans l'Alpha Jet et tout. Donc on est parti dans des demandes et tout. Enfin bon, passons. Et il n'était même pas sûr de voler, donc il est venu, il a pris l'avion, et il a dit je viens. Je fais oui, mais j'ai pas les autorisations, j'ai rien. Non, je viens. Donc il est venu. Il s'est posé à Marignane, il a eu ses autorisations à ce moment-là. Et il a fait le vol. Il s'est reposé à Salon. Il m'a envoyé, bon, il a son ordinateur toujours, il a tout ce qu'il faut. Hein. Quelques heures après, je recevais je ne sais pas combien de mégas de photos. Là, il reprend l'avion et il rentre au Japon. Ok, fin d'aller-retour. Et j'ai dit, les photos, on peut les utiliser. Il me dit, les photos sont pour toi. Incroyable. Voilà. Donc, c'est un photographe. C'est un passionné. C'est quelqu'un de... Enfin, moi, j'ai du mal à le suivre par moment parce que c'est un gars qui est très gentil, qui est très fort, qui fait des très, très belles photos. Il a un port du corps. Fait... Alors, tu nous as prévu quoi là enfin, ah, alors, bon, c'est juste pour montrer quelques bouquins qu'il a édités, là. Donc, lui, c'est pas lui qui vend des bouquins. Hein. Il a son éditeur. Lui, il fait rien. Il fait que des photos en vol. Voilà, ça, c'est le fantôme. Qu'est-ce qu'il a encore? Alors oui, il y a quelques photos quand même qui sont assez extraordinaires. Donc j'en ai relevé quelques-unes. Ouais. Juste pour vous montrer, hein. Voilà, oui, oui. Des photos comme ça. On se demande par moment où il est, quoi. Ouais, pour à quel endroit il est On ne sait pas vraiment où il se trouve. Par exemple, ça c'est la photo de... C'est le premier meeting en Hongrie. D'accord. Après le mur. Et en bas, il y a les avions des patrouilles, il y a russes, enfin, il y a tout le monde. Et au-dessus, dans un petit Alpha Jet, là-haut, il y a Tokunaga qui est sur le dos et qui fait des photos. Tiens, regarde, il y a Nico qui nous montre une petite incruste ici. Voilà, alors ça, oui, ça c'est la... Bon, il a fait ça du Transal, du Bronco, oui. Voilà. Donc, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Voilà. Ok. N'hésitez pas à aller sur Internet, hein. Ouais, j'ai trouvé ça sur un forum là, de pilotevirtuel.com. Alors, on voit les conditions de travail de là-dessus. Ouais. Ok. Bon, merci Daniel pour ces... De rien. Donc, rétrospective. Pour voir ses bouquins, lui, il n'a pas de site à lui. Hein. On peut retrouver peut-être quelques photos sur Internet. Sinon, je connais pas l'adresse de l'éditeur. Bon, en tapant sur Google, normalement, on doit pouvoir retrouver. Hein. Ouais, Nico. Oui, non, je disais oui, sur Internet, on trouve pas mal de photos de lui. Hein, c'est là. Et bon, par la webcam, non, c'est pas très beau, mais allez vous-même. Je vous ai montré la photo avec les Canadair, là, et puis la patrouille de France qui survole les Canadair. Et puis, le Katsu, là, qui est sur à l'arrière d'un Bronco en fait pour photographier là en l'occurrence c'était un Falcon 7X. Ouais. Donc OK. Voilà, il est quand même dans des positions assez Non mais le Bronco je pense que c'est la photo quand on l'avait fait au-dessus du porte-avions avec les Canadairs, je crois. Je crois que c'est ça le... D'accord. Ouais. OK. Bon ben voilà, c'est tout pour l'actualité du terminal de ce soir. Elle était bien riche hein. On n'a jamais eu une actualité du terminal aussi longue. Bon. Ce que je vous propose, c'est de retrouver notre invité de ce soir. On vous en a parlé déjà depuis quelques semaines. Comment est-ce qu'on peut lier la faculté de pilote de ligne avec un travail de coach mental, être entrepreneur? Il faut des journées de 48 heures. Oui. Donc on va voir ça avec notre invité de ce soir. C'est Mathieu Soriano qui est avec nous, qu'on va retrouver dans un instant. Donc la séquence, c'est au sol et en vol. Et bien évidemment, je vous rappelle que vous avez la possibilité de pouvoir poser vos questions à Mathieu. Pour ce faire, vous les posez dans le chat. Et puis, dès que on aborde en fait le sujet en question avec Mathieu, on incruste la question sur l'écran. Et donc, n'oubliez pas qu'il n'y a aucune question bête. Donc, séquence au sol et en vol avec Mathieu. C'est tout de suite dans la zone aéro. Et on retrouve tout de suite
Mathieu, alors hop, on va passer en incruste. Logiquement, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et il va apparaître dans une seconde si tout va bien. Logiquement, ça doit marcher. Alors, attends, je vais récupérer le lien ici, comme ça, voilà. Et bougez pas, les amis, ne bougez pas. Mathieu, il est là, nous, on le voit de notre côté. Donc, hop. Ah ouais, d'accord, ok, ça y est, j'ai compris pourquoi. Voilà, là, logiquement, on va le récupérer. Il est là. Bonsoir Mathieu, merci de ta patience. Salut Sébastien, salut Nicolas. J'espère que tu vas bien, on te remercie déjà avant toute chose de participer à la zone aéro, ça nous fait bien plaisir. Ravi d'être là, merci pour votre invitation. Alors déjà, est-ce que le chat vous entendez bien Mathieu ou pas? Vous nous dites, n'hésitez pas, hein, si le son, voilà, nous on regarde de notre côté. Alors Mathieu, on ne va pas changer une équipe qui gagne. Ce que je te propose, c'est déjà de commencer par la petite séquence de présentation. On va lancer le timer en une minute, si tu peux nous faire un petit retour sur image de ton parcours, de ta carrière et de tes occupations d'aujourd'hui. Allez, bon, minute, je vais essayer de faire synthétique. En gros, j'ai eu deux gros parcours professionnels. Le premier, je suis rentré pilote de Lynx Air France. J'étais super content des résultats de l'hypnose, mais je cherchais une méthode qui puisse aider une personne à avoir une vision plus complète de sa vie, à structurer d'autres choses que l'hypnose ne pouvait pas amener. Donc je me suis formé au coaching, j'ai enseigné en école de commerce pendant 5 ans pour tester plein d'outils, et quand les outils ont été prêts, j'ai amené ça dans le milieu de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, je passe 90% de mon temps de coaching à coacher des entrepreneurs et des dirigeants sur plein de volets. D'accord, donc c'est bien complet, donc on va en reparler, segmenter un petit peu tout ça et en reparler au cours de l'émission. D'habitude, c'est Nico qui pose la première question, donc on va lui donner la parole, mon cher Nico. Oui, de quoi ont besoin les... Alors, c'est très varié, mais je pense qu'en tout cas, ce qui va déterminer les entrepreneurs qui réussissent, un, c'est des gens qui sont hyper pragmatiques. Ça, il n'y a pas de question à se poser. La grosse différence pour moi entre salarié et entrepreneur, et pour jongler avec les deux casquettes, salarié, on te dit ce que tu dois faire, on te dit comment tu dois le faire, donc tu es quand même assez guidé. Le jour où tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que tu dois te débrouiller tout seul, tu n'as pas forcément beaucoup d'aide, tu as plein de distractions parce que tu es ton propre patron, tu dois jongler, tu dois développer plein de capacités qui sont différentes. Donc je dirais que c'est être vachement pragmatique, ne pas s'obstiner quelquefois. Alors ça, il y a beaucoup de parallèles avec le métier de pilote de ligne, mais il y a des impasses. Quand il y a une impasse, il faut la reconnaître le plus vite, couper sa perte et savoir partir sur autre chose. Et ensuite, faire simple. Je crois que souvent, en fait, on a tendance à compliquer. Et les meilleurs entrepreneurs que je connaisse, c'est des gens qui font très simple, qui testent énormément de choses. Ce qui marche, ils vont l'amplifier. Ce qui ne marche pas, ils vont basculer sur autre chose et ils ne se prennent pas trop la tête, en fait. Okay. Et est-ce que, donc, comme tu es pilote de ligne, du coup, je suppose que tu leur demandes d'appliquer certaines choses que tu as apprises en tant que pilote de ligne? Alors, vu que j'ai les deux casquettes, j'essaie de jongler. Mais en tout cas, les principales choses que j'ai vraiment amenées du métier de pilote de ligne aux entrepreneurs que j'accompagne, je crois que on a un outil de prise de décision chez Air France que d'autres compagnies partagent, qu'on appelle le Fordeck. Et je trouve que c'est quelque chose qui est hyper structuré, qui est vachement pointu, qui permet d'enlever tout l'émotionnel d'une prise de décision. Et je ne comprends pas aujourd'hui que ce ne soit pas un modèle qui soit plus répandu. Ça, typiquement, je trouve que l'aéronautique sur le milieu de la prise de décision, on est quand même très très bon. Et toutes les boîtes dans lesquelles j'ai amené ces outils-là ont adoré l'outil. Il est simple, il est facile à appréhender. Et surtout, c'est quelque chose qu'on peut utiliser vraiment, vraiment au quotidien. Vraiment la prise de décision. Et je crois que le deuxième point où l'aéronautique est très forte, c'est surtout ce qui est gestion du risque. Être capable d'identifier des menaces en amont, être capable d'appréhender des erreurs et surtout mettre en place des stratégies pour faire face à ces erreurs et à ces menaces et gérer le risque de manière hyper précise.
Alors, ça me fait penser un peu, si tu me permets juste, Nico, de rebondir là-dessus, ça me fait penser beaucoup à ce qu'on a entendu ces derniers temps dans le milieu médical. Est-ce que tu as des demandes particulières dans le milieu médical parce qu'ils sont en train de se rapprocher petit à petit de tout ce qui est aéronautique? Donc, est-ce que ton implication va être encore plus grande dans le domaine médical? Alors, bon, quand j'ai bossé en cancéro, forcément, c'est des discussions que j'ai eues énormément avec des cancérologues, puisque le cancérologue, évidemment, était mon patron, et moi, je venais juste en support sur les patients des cancérologues que je servais. Par contre, effectivement, sur les manières de bosser, il y avait pas mal de questions, notamment, bon, je crois que ce qui est le plus connu aujourd'hui dans le milieu de la médecine qui vient de l'aéronautique, c'est les checklists. C'est ce qui évite, j'en sais rien, d'oublier une compresse dans le ventre d'une personne qu'on vient d'opérer. Mais ouais, la médecine est très, très, très orientée aéronautique aujourd'hui et il y a beaucoup de procédures. Les cross-checks aussi. Bon, je pense que tout le monde est familier sur la chaîne avec la notion de cross-check. Donc, une personne qui fait une action, une autre personne qui va vérifier. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne faisait pas, notamment parce qu'il y a des gros gradients hiérarchiques, enfin, des gros gradients d'autorité dans le milieu de la médecine. Et petit à petit, justement, on se rend compte que fonctionner de manière plus synergique en équipe, avec des sortes de contrepoids et de personnes qui peuvent aider à détecter des erreurs, ben ça marche vachement bien. On diminue énormément les erreurs. Et surtout, en fait, c'est ce qu'on essaie de créer en aéronautique. Hein. On met de la distance par rapport à l'accident, tout simplement. Ok, d'accord. Ben oui, oui, donc... Donc, oui, vas-y Nico. Donc, est-ce que tes conseils s'appliquent aussi à un petit entrepreneur, à la rigueur même auto-entrepreneur, est-ce que ça s'applique aussi à des dirigeants de grosses sociétés, voire de dirigeants de groupes? C'est la même chose. Hein. Moi, j'ai vraiment des gens, quelquefois, qui viennent me voir, qui lancent leur activité. Tu vois, là, par exemple, on s'occupe d'un groupe. C'est des gens qui étaient tous consultants, qui ont en moyenne 15 à 20 ans d'expérience dans l'industrie. Donc, ils étaient consultants salariés. Et ils décident de se lancer à leur compte. Donc, du jour au lendemain, tu avais des clients qu'on t'emmenait et que tu devais servir. Là, c'est à toi de faire ton acquisition. C'est à toi de faire ta vente. C'est à toi ensuite de servir tes clients. Donc, il y a plein de choses qui sont nouvelles. Donc là, tu vois, on a des gens qui partent de zéro. Et à côté de ça, actuellement, j'ai le directeur général d'une boîte de 20 000 salariés. Donc, on parle déjà d'une boîte de grosse taille. Et on se rend compte qu'au final, c'est les mêmes problématiques. Ce qui va distinguer, c'est la quantité de pression, en fait. C'est qu'évidemment, quand on est seul dans une boîte, bah, les enjeux vont être moins forts. Il y a quelquefois aussi moins d'enjeux relationnels parce qu'on n'a pas forcément d'équipe structurée. Et donc, en fait, plus on va monter dans la taille de la boîte, plus on va se retrouver avec des problématiques de forts enjeux, donc de pression, et quelquefois des personnes qui croulent sous la pression. Et deuxième chose, des enjeux qui vont être plus de leadership avec comment est-ce que j'amène avec moi des équipes, comment est-ce que j'apprends à gérer les conflits. Quelquefois, il y a aussi de la politique ramenée dans les boîtes d'une certaine taille. Donc, on va juste rajouter des petites nuances, mais les conseils de base qu'on peut donner à un entrepreneur qui se lance ou à quelqu'un qui est déjà beaucoup plus avancé, ça va être la même chose. C'est juste qu'on met de la nuance. De la même manière que si demain, tu te mets à courir, on va te donner des bases pour le sport. Et si, évidemment, tu évolues départemental, régional, national, international, on va affiner ce qu'on a fait, mais le socle, en fait, il reste le même. D'accord. OK. Alors là, on a parlé principalement de ta casquette d'entrepreneur, de coach. Comment est-ce que tu arrives à concilier ça avec le métier de pilote de ligne, puisque tu nous as dit que tu étais donc sur le secteur long courrier? Ça te prend combien de jours par mois et comment est-ce que tu organises ton activité entre ces deux occupations? Bon, alors déjà, moi, chez Air France, j'ai un 75%, donc je vole moins que les pilotes classiques, on va dire. Si tu veux, tu as un volume d'heures à faire chez Air France par mois. Et je fais des vols qui sont plutôt très longs. Donc, automatiquement, je vais faire moins de vols. Enfin, tu vois, si tu fais un Paris à Buenos Aires, aller-retour, tu en feras moins dans le mois que si tu t'amuses à faire du Paris-New York, où tu es à peu près sur la moitié de temps. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si, pour une personne en tout cas qui veut gérer plusieurs activités, je crois que la clé, c'est d'être hyper, hyper organisé. Donc, moi, j'essaie vachement de cloisonner. Et en gros, la règle que je me suis fixée, c'est mes vols sont posés. Une fois que mes vols sont posés, du lundi au vendredi, je fais du 9h-18h tous les jours. Donc en fait, j'ai pas de jour de repos à part les week-ends. Donc la question, c'est quand est-ce que tu pars en vacances? Quand est-ce que je pars? Bon, ouais, j'essaie de faire 3 coupures par an. Ah, donc, ça va encore. 7 et 10 jours, ouais, pour le coup, avec des vraies coupures hein, où ma femme a pour mission de m'éloigner du téléphone, des mails et de tout ce qui pourrait parasiter à la famille. Mais je pense que c'est pareil, c'est aussi une des clés. En gros,
Moi, quand j'ai un dirigeant qui vient me voir et qui est débordé, la première chose que je vais lui demander, c'est de travailler moins. Donc les gens, évidemment, ouvrent grand les yeux parce qu'ils disent « Attends, mais en gros, je suis en train de te dire que je suis débordé, toi, tu es en train de me dire de bosser moins. » Et ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va travailler de manière plus efficace. Et il y a plein de stratégies pour arriver à ça. Mais surtout, on va faire en sorte de tellement s'éclater à côté qu'on va vraiment récupérer de l'énergie qui sera disponible pour qu'on bosse. Et moi, cette énergie, je la trouve dans deux choses principalement, le sport et ma famille. J'ai trois enfants, j'essaie de passer beaucoup de temps avec eux. Et c'est vrai que le temps que je passe avec eux me nourrit vachement. Et derrière, tu vois, s'il faut que je me mette une grosse tartine de boulot et m'envoyer vraiment une grosse journée, il n'y a aucun problème, mais parce que je me suis rempli à côté. Je pense que je pourrais pas en fait tenir ce rythme-là si j'allais pas couper, si j'allais pas chercher d'autres choses. Et le fait de faire du sport, ça aide aussi, on le pense, à la carrière de pilote de ligne long courrier, avec les décalages horaires, avec toutes ces choses-là. Tu fais quoi comme sport? Ça représente quoi à peu près dans ton planning? Sport, en gros, j'y vais 4 à 5 fois par semaine. Donc j'essaie de faire 3 séances en gros muscu, quoi, faire entretien musculaire pour... Parce que mine de rien, tu vois, quand je fais mes séances de coaching, je suis assis sur une chaise la plupart du temps comme aujourd'hui. Quand tu fais un Paris-Buenos Aires, tu passes 14 heures assis pareil sur un fauteuil. Donc c'est quand même deux métiers qui sont très sédentaires. Et voilà, avoir une bonne posture, un bon entretien musculaire, c'est super important. Et après, je fais du cardio. Alors là, tout ce qui passe, moi j'aime courir. Enfin, j'ai la chance d'aimer courir, faire du vélo, je fais pas mal de boxe. Donc voilà, un peu touche à tout, je suis pas très spécialisé. Ah, de la boxe, c'est pratique dans l'avion, si jamais il y a des passagers récalcitrants, c'est plutôt pas mal, hein. Ouais, bon, on a pour consigne de ne pas sortir hein, s'il y a un passager agacé. Alors, j'ai une question aussi, c'est est-ce que cette idée de coaching, où on va rentrer peut-être aussi un petit peu dans les détails, ça correspond à quoi? Enfin, comment se passe une séance? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais de l'hypnose? Tu les couches? Tu leur masses les épaules? Non, peut-être pas, mais comment ça se passe là? Et est-ce que tu peux aussi intervenir? On en parlait, c'était une question qu'on voulait te poser. Alors, il n'est plus à MLN, mais est-ce que tu peux... Par exemple, lutter contre des personnes qui ont la phobie de l'avion, qui ont peur de monter, est-ce que tu peux faire des choses pour elles? Oui. Alors, on va distinguer deux choses parce que c'est vraiment deux manières de travailler différentes, l'hypnose et le coaching. Hypnose, ça va être génial dès qu'il y a en gros un mécanisme inconscient qui a déraillé. Je te donne un exemple très simple. Une personne qui perd le sommeil, tu vois, qui se met à développer des insomnies, ce qui arrive très souvent pour des personnes justement qui passent sur long courrier, parce que décalage horaire, parce que vol de nuit. L'hypnose va être super efficace parce qu'on se rend compte que c'est une super stratégie pour programmer des bons schémas, d'accord? Un gamin, enfin moi tu vois, j'ai un bébé à la maison, il a 15 mois, il dort super bien, il est né, tu vois, vierge de tout stress, vierge de toute anxiété, de toutes ces choses qu'on peut développer plus tard. Et donc, lui, il a des schémas qui sont sains. Quelquefois, des accidents de la vie, un stress particulier, les décalages horaires, enfin, plein de choses peuvent dérégler des schémas qu'on a. Et donc, l'hypnose va nous aider à re-régler ces schémas-là. La phobie de l'avion en est un, c'est-à-dire que personne n'est né phobique de l'avion, ça n'existe pas. Par contre, pour plein de raisons différentes, on peut développer une phobie. Et dans ces cas particuliers, l'hypnose, c'est un outil qui est vraiment remarquable. Le coaching, ça va être un petit peu différent. Le coaching, l'idée, c'est d'aider une personne à faire deux choses. Soit dépasser un événement qui a été difficile. Demain, une personne se fait licencier, elle le vit mal. Une personne divorce, elle le vit mal. Tu vas l'aider à, le plus rapidement possible, en fait, mobiliser ses ressources et dépasser cette difficulté-là. Le deuxième gros volet du coaching, c'est aider une personne à créer plus de performance. Cette performance, ça peut être dans un sport, ça peut être plus de concentration, ça peut être plus efficace dans son boulot, ça peut être préparer un entretien. Et là, le coaching va servir surtout à faire une espèce de bilan des ressources d'une personne, de se demander quelle est la façon la plus saine de mobiliser ces ressources-là, quel est l'objectif de la personne, quels seraient les éventuels obstacles qu'il y aurait entre l'objectif et l'endroit où la personne est aujourd'hui, et de voir comment est-ce qu'on peut soit lever ces obstacles, soit les gérer de la meilleure manière qui soit. Donc okay. c'est juste des façons différentes de travailler et évidemment être capable d'avoir l'ensemble de ces outils, ça te permet juste d'avoir une palette qui est plus large et donc d'aborder un plus grand nombre de problématiques. C'est changer un peu sa vision, enfin changer la manière d'aborder, on va dire l'angle sous lequel on aborde un problème. Ouais, exactement. En gros, de toute manière, je crois que le but de n'importe quel outil, que ça soit vraiment thérapeutique ou de coaching, d'hypnose, tout ce qu'on veut, c'est de changer une perception. Parce que ce qui va limiter une personne, c'est quoi? C'est ton ressenti. On va prendre un exemple simple. Tu prépares les cadets d'Air France. Alors, on recrute énormément en ce moment. Tu prépares les cadets d'Air France. T'arrives dans ça va intéresser dans le chat, il y en a hein, qui le font. Alors, c'est pour vous, les amis. Hein. Je vais prendre mon cas. Moi, j'avais personne dans l'aéronautique dans ma famille. Mes parents n'étaient pas du tout du milieu, on n'avait pas de copains qui étaient dans le milieu.
Donc le jour où je suis arrivé justement jusqu'aux entretiens, j'avais un stress qui était énorme. Pourquoi ? Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Je ne venais pas forcément de ce milieu. Je mettais en cause ma légitimité. Mais pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que j'y arriverai ? Et donc, tu vois, il peut y avoir tout un tas comme ça d'espèces de bruit mental, de parasitage, qui fait que le jour des entretiens, tu ne donnes pas le meilleur de ce que tu es. Bah, typiquement, le coaching va permettre de réduire quelque part cette espèce de bruit mental et d'être capable de, non pas d'augmenter tes ressources, parce que tes ressources, elles sont fixes à un moment donné, mais par contre, d'être capable de mobiliser les ressources le jour où tu en as plus besoin, et donc le jour de tes entretiens d'embauche, par exemple. Ok, donc diminuer le stress et quelque part arriver de manière très zen. Je sais que, par exemple, on parlait avec Daniel tout à l'heure de la Patrouille de France, aujourd'hui, ils ont cette faculté de proposer en fait un coach mental pour les pilotes. On peut faire le parallèle aussi avec ce que tu fais comme activité. Et puis bon, la PAF, pour les avoir vu faire quelques fois, ils utilisent des outils qui viennent de l'auto-hypnose. Quand tu les vois en fait les yeux fermés, en train de visualiser, de mimer carrément tous les gestes pour répéter justement les scénarios qui vont ensuite déployer en vol, tout ça c'est l'auto-hypnose. Ils jouent sur plusieurs sens à la fois. Ils vont se chercher en fait non pas à apprendre de manière théorique ce qu'ils vont faire, mais à commencer à le vivre par anticipation avant de le reproduire dans l'avion. Ouais, ok. Donc c'est la mentalisation à l'état pur, de répéter en fait, de se mettre en condition. Ouais, alors c'est un des... Si tu veux, vraiment de manière très simple, imagine que le coaching c'est quoi ? La performance d'une personne à un moment donné, c'est son potentiel diminué de ses interférences. Bah, le coaching a pour but de limiter au maximum le nombre d'interférences qu'une personne peut avoir. Ouais, d'accord. Ok, donc on enlève ce qui brouille et on garde le meilleur. Mais comme un signal, enfin, tu vois, demain tu fais une 4-3 à Roissy, qu'est-ce qu'on va faire ? On va espacer les avions, on va dégager les aires critiques. Pourquoi ? Pour avoir un signal de qualité. Et bon, ouais. Nous, les coachs, en fait, on fait exactement la même chose à une personne. Quand on a un besoin de performance qui est supérieur, parce que tu es entrepreneur, parce que tu es en finale des Jeux Olympiques, parce que tu passes ton concours des cadets d'Air France, parce que tu passes ton PPL, je veux dire, ça arrive à n'importe quel niveau. Eh ben, le coach, il va t'aider à réduire ce bruit mental qui vient te parasiter, te mettre la boule au ventre, et qui fait que le jour J, ben, tu n'es pas à 100% de tes capacités. D'accord. Okay. Alors, ces petits trucs-là qui amènent à ça, c'est... Comment c'est ? C'est un travail sur les perceptions. Je crois que le plus simple, en fait, qui peut paraître assez paradoxal, ce que je dis souvent aux gens, c'est quand ils ont un objectif qui est très fort, cet objectif peut se retourner contre eux avec une forme de pression. Okay ? Et je leur dis, la première chose, c'est de se dire, ça serait quoi les bénéfices à ce que je rate ma finale des Jeux Olympiques, mon concours d'entrée chez Air France, le passage du PPL. Et en fait, petit à petit, en élargissant les perceptions et en voyant qu'il n'y a rien de grave qui va arriver si jamais je n'ai pas ce concours-là, je n'ai pas cette finale des Jeux Olympiques, on va essayer de faire baisser le niveau de pression. Quand on fait ça, il y a des gens qui ont une petite résistance en se disant « Mais Mathieu, en fait, si tu fais ça, j'ai peur que tu m'enlèves ma motivation. » Si ta motivation, en fait, elle part à cause de ça, c'est qu'elle n'était pas solide. Par contre, si on arrive à garder ta motivation et à la dépolluer quelque part de ces interférences justement qui venaient parasiter ta motivation, justement, là, on a quelque chose qui est super intéressant. Tu vas te retrouver en fait à faire une course sans trimballer ton sac à dos de pierre et les cailloux que tu avais dans les chaussures. En fait, bien sûr. C'est redonner une valeur de l'objectif par rapport à la vie, à l'existence du candidat. Quoi. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'on va surtout chercher à faire, c'est d'enlever les interférences du passé. Parce que je prends un exemple simple. Aux États-Unis, par exemple, voilà, la prise de parole en public, elle est très encouragée. Les gamins, quand ils ont 7 ans, ils rentrent de leurs vacances, le prof va leur faire réciter un peu leurs vacances, qu'est-ce que tu as fait, comment ça s'est passé. Donc, ils sont assez à l'aise avec ça. En France, on est vachement coincé. Enfin, tu vois, dans les interviews, les gens ne sourient pas, ils sont crispés, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mouvement. Bon, donc, on a cette éducation-là. Et du coup, on a tendance à chercher à être parfait quand on s'exprime. Comme on cherche à être parfait, on crée de la pression. Et pour peu qu'une personne elle ait eu 3-4 mauvaises expériences, son cerveau, il a programmé, en fait, il a emmagasiné l'idée qu'il n'était pas à l'aise avec la prise de parole. Tu arrives le jour des entretiens des cadets, tu es avec 5 autres candidats, devant toi, tu as 2 pilotes, un psy qui t'observe, tu vois ses regards braqués sur toi, et en fait, tu vas replonger quelque part dans les souvenirs dans lesquels tu n'étais pas à l'aise avec ta prise de parole en public. Eh bien, le coaching a aussi pour but de désamorcer comme ça l'ensemble des expériences du passé qui ont été, on va dire, traumatisantes. Une fois de plus, hein, un traumatisme, ce n'est pas forcément un viol, un deuil, ça peut être des choses plus petites. Mais en tout cas, qui viennent, quelques années plus tard, continuer à nuire à la personne et à sa performance. Ouais, c'est ancré, en fait. On parlait de descendre, la question que je posais juste avant,
de descendre un peu la valeur en fait, de l'objectif. Est-ce que avoir aussi un projet, on va dire parallèle, peut aussi, tu vois, si on rate le concours KDR France, il y a peut-être un chemin parallèle pour finalement arriver au même but. Est-ce que ça aussi, ça fait partie aussi du coach, quoi, de... Alors sur ça, je vais te faire une réponse de Normand parce que je te dirais, ça dépend des personnes. Il y a des personnes dont je fais partie où moi, quand j'ai un objectif, j'aime bien éliminer toutes les autres options. C'est une manière de fonctionner. C'est, je suis comme ça depuis que je suis gamin. Par contre, ça nécessite de bien gérer la pression parce que clairement, ton niveau de pression augmente si tu ne te ménages aucune autre option. Okay ? Donc, ce n'est pas forcément quelque chose que je recommande à tout le monde. Il y a d'autres personnes, justement, dès qu'elles vont voir qu'elles ont d'autres options, ce que ça va faire, c'est que ça va tellement les sécuriser qu'ils vont être capables de donner le meilleur, quelle que soit l'option qui est choisie, en fait. Donc ça, c'est vraiment, et notamment pour une personne qui est accompagnée par un coach, c'est le boulot du coach, quelque part, de repérer à quel point est-ce que la personne a confiance en elle, à quel point est-ce qu'elle est capable de s'orienter dans une stratégie très agressive, ou au contraire, à quel point est-ce qu'elle va avoir besoin de se sécuriser pour pouvoir prendre du risque. Mais c'est, je ne veux pas faire de réponse catégorique là-dessus parce que c'est vraiment très dépendant de chacun et je ne veux pas donner un conseil qui se retourne contre la personne. Ouais, ça dépend le caractère des gens, en fait. Ouais. Ouais. C'est pareil, hein, c'est une fois de plus, il y a des gens qui vont dans l'entrepreneuriat tête baissée, tu vois, ça ne leur fait pas peur. Il y a des gens comme moi où deux parents fonctionnaires au départ, bon, mais tu vois, c'était pas naturel pour moi d'aller vers l'entrepreneuriat et je pense que je n'aurais pas été capable d'entreprendre si je n'avais pas été sécurisé par un CDI à côté, par exemple. Moi, je pense que sur cet aspect-là, je n'aurais pas eu le courage. Ok. Bah oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il y a alors Jibus qui demande géographiquement quel Normand, 76, 27, 14, 50 ou 61? Alors, j'ai un Normand qui a beaucoup bougé. Moi, je suis né à Narbonne. Ah oui, c'est vraiment dans le bas de la Normandie. Hein. C'est le bas de la Normandie. Donc, je suis resté là-bas jusqu'à 18 ans. Après, j'ai pas mal bougé. Notamment, je suis allé au lycée militaire d'Aix parce que je voulais me laisser la possibilité de faire pilote de chasse ou pilote de ligne. J'hésitais, je connaissais pas bien les deux métiers à l'époque. Ensuite, j'ai fait 15 ans sur Paris. Et là, je suis redescendu dans le sud. Je suis à Moguio, donc juste à côté de l'aéroport de Montpellier. Ah bon? Ouais. Oh, mais hey, si on avait su, tu serais venu en studio, on est à côté. Ouais, mais on en avait parlé. Bon, après, t'as vu, on a eu un peu des galères d'emploi du temps pour se trouver. C'est vrai. Mais. Ah, tiens, ouais, faudrait qu'on fasse une séance au studio, tiens. Nico, tu viendras, tu seras le cobaye. Avec plaisir. Là, ah ouais, tiens, ça pourrait être marrant. Oui. Si ça te dit, tiens, Mathieu, faudrait qu'on fasse ça à l'occasion. Tiens, ça serait drôle. J'ai mon projet d'entreprise, donc du coup, oui, j'aurais besoin de... Et, je reviens parce que tu parlais, donc, tu voulais faire pilote de chasse. Je reviens un peu sur... Enfin, j'hésitais. J'hésitais entre les deux. C'est pas que je voulais faire pilote de chasse. Alors, depuis quel âge t'as envie de faire pilote, en fait? 13-14 ans. Tout le monde me demande pourquoi. Je vais te faire la même réponse qu'à tout le monde, je ne sais pas. C'est-à-dire que je pense qu'au départ, j'avais une idée très immature, tu vois. Je me suis dit, ça doit être cool. Tu sais, à Narbonne, on a un radar, justement, de défense aérienne. Et donc, je voyais régulièrement les avions de chasse, une équipe qui attaque, une équipe qui défend. Donc, je les voyais tournoyer. Je pense que c'est quelque chose qui a dû un peu allumer la flamme. Derrière, j'ai eu la chance de rencontrer Michel Gauthier, ancien colonel de l'armée de l'air, qui avait monté justement l'aéroclub d'Armissant, juste à côté de Narbonne. Terrain privé, piste en herbe de 800 mètres, avec un vieux Fouga en exposition, qui m'a pas mal filé le virus aussi, parce que mes parents m'ont dit « Bon, ben, ok, tu veux faire pilote, mais personne ne sait comment ça marche, donc on va peut-être commencer par 3-4 heures de cours en aéroclub, voir déjà si t'es pas malade, si ça te plaît, enfin tout ça. » Ah oui. Et donc, si tu veux, ça a commencé à mûrir. Et à 16-17 ans, dans ma tête, il n'y avait plus que ça. Donc, je ne savais pas encore si je voulais partir vers la chasse ou vers la ligne, mais c'était pilote. Je suis quelqu'un d'assez têtu et borné. Donc, voilà, quand l'idée s'est mise en tête, c'était il fallait y aller. Je suis parti en prépa. Je me suis rendu compte que le lycée militaire m'a apporté énormément de choses, mais que j'étais, en tout cas, ma façon de fonctionner correspondait plus à une carrière civile qu'à une carrière militaire. Donc, le choix après a été assez facile une fois que j'ai été en lycée militaire. Et derrière, j'ai eu la chance de passer les concours à une époque où ça marchait bien. Il y avait quand même 40 places à l'ENAC. Quelques années après, il y en avait 11. Donc forcément, quand on passe sur une année à 40, c'est plus facile. Pareil, quand j'ai passé Air France, c'était 2007, juste avant la crise des subprimes. Donc, ça a embauché. Donc après, ça a été assez fluide. Mais voilà. En gros, j'ai raté les cadets une fois et j'ai eu l'ENAC dans la foulée.
Oui, c'est incroyable parce qu'on a eu pas mal de témoignages où c'était l'inverse, en fait, où des gens avaient été bloqués pendant un certain nombre de temps, ils ont galéré. Alors en fait, toi, c'était l'inverse, en fait. Ouais, non, non, moi, c'était les astres étaient alignés. Je dis 18 ans et demi, là, j'arrive en finale à décalé, donc j'arrive jusqu'aux entretiens. Entretiens mal préparés parce que je suis immature, parce que je n'ai pas assez préparé mon projet, en fait, hein, tout simplement. Donc je me fais à journée 2 ans. Ça pique un peu ma fierté. Là, je me remets bien mobilisé. Et donc, j'ai l'ENA que juste quelques mois après. Mais c'est vrai que c'était une époque où c'était fluide, quoi. Et c'est vrai que 2-3 ans après, je crois qu'Air France, on n'a pas recruté pendant 5 ou 6 ans derrière. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, tu as eu la chance de passer par Saint-Yon. Et donc, voilà. Alors, moi, au CFA, j'ai fait donc, une première à Toulouse. Et ensuite, Carcassonne pour le VFR et l'IFR à Saint-Yon. Ouais, exactement. Eh oui. OK. Bon, ça va plaire à notre ami Fred. Juste, Nico, on salue Livelet01 et Clem AFR qui viennent d'arriver, qui ont follow. Donc, bienvenue les amis, bienvenue dans la zone aéro. Vas-y, Nico. Ouais, donc je disais, donc, comment tu vivais ta passion, donc ton envie d'être pilote à partir de 13-14 ans? Tu faisais des revues, tu faisais des maquettes, tu faisais... Alors, bizarrement... J'ai nettoyé les avions à l'aéroclub. Non, alors là, sur ça, je suis peut-être un peu atypique. Moi, je suis passionné du métier de pilote de ligne et je ne suis pas passionné d'aéro au sens très large. C'est-à-dire, tu vois, je suis allé sur très peu de meetings. J'ai des maquettes et tout ça, ce n'était pas trop mon truc. Je pense que ce qui m'attirait dans le métier de pilote de ligne, bon, il y avait les voyages. Je me disais, putain, mais en fait, tu es payé pour voyager, c'est quand même super cool. Et les équipages, en fait. Je suis passionné par l'humain, mais je pense que c'est ça qui m'a amené ensuite à l'hypnose et au coaching. Ouais. Et quand j'ai appris à mûrir mon projet entre la chasse et la ligne, ce qui m'a vraiment, vraiment séduit, c'est l'aspect humain. Et je me dis, en fait, c'est incroyable d'être commandant de bord. Tu pars avec 15 hôtesses et stewards, 1, 2 ou 3 copilotes à l'autre bout de la planète. Ces mecs-là, tu les as jamais vus. Il va falloir que tu transformes plein d'individus qui ne se connaissent pas, que tu essaies de faire opérer la magie pour que ça se transforme en équipage. Il va falloir que tu aies suffisamment de leadership pour que ces gens-là, bah, quand tu décides quelque chose, ils te suivent. Et je crois qu'en fait, tout le côté qui m'a fasciné, bizarrement, c'était ça. Ce qui fait que je m'intéressais beaucoup plus au FH que, tu vois, au modèle des avions. Donc, j'étais vraiment fasciné par l'aspect humain du métier. Ah, bah, c'est intéressant, ça. T'es un des rares. T'es un des rares à voir ce côté-là du métier, effectivement. Et du coup, j'ai une culture aéro qui est assez faible, tu vois, au final. Je vois tout. Là, en plus, tu parles, je viens de voler il y a 2 semaines avec Frédéric Acarine, j'imagine que vous connaissez. Voilà, il a un magnifique, il a un sabre, un F-86, il a eu un Mustang. Oui. Donc, voilà, c'est des mecs, toute leur vie, ils ont retapé, en plus de leur métier de pilote de ligne, ils ont retapé des avions, ils ont revendu, ils ont des vies qui, moi, me fascinent. Et quand tu discutes avec un mec comme ça, Enfin, moi, j'étais comme un gamin de 5 ans. Mais c'est vrai que moi, c'est pas cette partie que je suis allé chercher dans l'aéronautique, bizarrement. D'accord, oui, c'est... Pardon ? Yes. Oui, c'est vraiment le côté leader. Et puis, tiens, je vais manager une équipe. Ouais, non, c'est intéressant ce côté-là. Et humain, en fait, le personnel par routinier. Pas routinier, tu vois. Ça, c'est un truc... moi, j'ai du mal avec la routine. J'ai du mal à faire les mêmes choses. Et... bah, t'es servi, quoi. Quand t'es pilote, c'est extraordinaire, extraordinaire. Ouais. Finalement, t'aurais pu être lieutenant dans l'armée pendant la guerre et puis monter à l'assaut et puis organiser une attaque. Alors, justement, et tu vois, j'ai fait un post LinkedIn qui m'a valu les foudres de certains qui n'ont pas bien compris. En gros, j'ai fait un tour de Fuga Magistère cet été à Los Angeles. Je trouvais ça fantastique. Et il y a plein de gens qui m'ont demandé pourquoi est-ce que je n'avais pas fait pilote de chasse. Ce à quoi j'ai répondu que j'étais pas prêt, moi, à m'engager sur un conflit. Je n'étais pas prêt à tuer. Donc on dit, tu me traites de meurtrier. Ce n'est pas du tout mon propos. 1, j'ai un respect absolu pour les pilotes de chasse. 2, il y a des qualités chez eux que je ne suis pas sûr d'avoir. Bon, je n'aurais peut-être pas eu le courage. En revanche, ce que j'entends par là, c'est qu'au lycée militaire, en fait, il y a justement un colonel de l'armée de l'air qui vous avait dit, vous savez, si vous rentrez pilote de chasse, vous serez avant tout militaire et on va vous prêter un avion. Ouais, c'est ça. Et vous confier une mission. Et dans ma petite tête de 18 ans, quand j'ai commencé à réfléchir à tout ce que ça impliquait, c'est-à-dire possiblement un combat contre un mec qui, comme moi, aurait 25 ou 26 ans, un bombardement que j'aurais pas décidé, mais parce qu'un homme politique m'a donné l'ordre d'eux, en fait, moi, j'ai pas été à l'aise avec cet aspect du métier-là, et donc c'est quelque chose qui m'a refroidi. Une fois de plus, il en faut, et j'ai et de l'admiration et beaucoup de gratitude pour les gens qui font ce métier-là. J'ai plein de copains du lycée militaire, évidemment, qui ont fini pilote de chasse.
En revanche, moi, je n'aurais pas été avec ce volet-là. Donc, tu vois, David m'a permis d'avoir le leadership sans cet aspect guerrier quelque part. Ouais, comme dit Lord Gibus. Hein. Parce que c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde. Ouais. Lord Gibus nous dit qu'il n'appuie pas seulement sur un bouton. J'aurais pas dormi. J'aurais pas bien dormi. C'est bien se connaître aussi. C'est ça qui est bien. C'est bien se connaître et être honnête avec soi-même et donc, du coup, avec les autres. Et non, c'est bien. C'est super important parce que tu vois, évidemment, la réponse que je peux te faire, si tu me dis, ah, demain, tu préfères aller faire un tour de Rafale ou de 777, il n'y a pas photo. Évidemment, si tu me passes un Rafale, j'ai envie d'aller faire un tour avec. Par contre, je crois que c'est, comme tu dis, beaucoup d'honnêteté avec soi-même, d'être lucide sur ses capacités aussi et sur ses sensibilités. Moi, je suis quelqu'un qui est très sensible, donc pas forcément adapté à une carrière militaire. Et de ne pas se laisser séduire par le fantasme, en fait. Moi, l'armée, ce qui me faisait rigoler, c'était de m'imaginer à 50 pieds sol, à 250 nœuds, avec un Rafale, tu vois. En revanche, c'est parce qu'on attend de moi. C'est-à-dire que tu es là pour servir un pays, tu es là pour effectuer des missions qui sont parfois de maintien de paix, quelquefois des missions de guerre. Et est-ce que tu es prêt? Et c'est vraiment, tu vois, ça, on vient au coaching. Moi, c'est la première question que je pose à mes clients quand ils m'amènent un objectif. C'est est-ce que tu es prêt à payer le prix de ce que tu veux? Un mec, il me dit, ah, tiens, moi, je vais être millionnaire, je vais monter une grosse boîte. Ok. Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour obtenir ce que tu es en train de me dire? Tu veux être pilote de ligne? Est-ce que tu es prêt à bosser les week-ends? Est-ce que tu es prêt à faire des heures de nuit? Est-ce que tu es prêt à rater certains anniversaires de tes enfants? Est-ce que tu es prêt à ce qu'on te fasse le reproche de ne pas être présent au gala de ta fille? Est-ce que tu es prêt à ça? Et je pense que plus une personne, elle a mûri dans son projet les inconvénients, plus en fait elle va savoir si c'est bon pour elle, et si jamais ça n'a pas suffi à la dissuader, en fait elle va arriver en mode machine. Et une fois de plus, je répète ce truc-là, on en a parlé un peu tout à l'heure, les gens disent « oui, mais si, Mathieu, si je vois les inconvénients, je vais être moins motivé ». De mon expérience, c'est le contraire. Une personne qui a une vision très juste et complète de son objectif, de sa carrière, de n'importe quoi, elle aura beaucoup plus de facilité à y aller si c'est bon pour elle. Et si c'est pas bon pour elle, bah, elle trouvera naturellement un objectif qui est plus adapté à qui elle est. C'est la maîtrise, en fait. C'est parce qu'elle maîtrise son sujet. Ouais. OK. C'est très important ce que tu dis, parce que c'est vrai, je reviens un peu, bah, je vais dire un peu autrement ce que tu viens de dire, c'est qu'en revenant un peu sur, effectivement, l'honnêteté que tu as avec toi-même, bien se connaître soi-même, être honnête avec soi-même et donc, du coup, avec les autres, c'est aussi le fait de pouvoir faire ton travail très correctement, plus que correctement, du coup. Et dans un environnement où tu es vraiment à l'aise parce que tu as été honnête avec les autres, tu as été honnête avec toi-même. Et c'est une des qualités centrales du pilote, hein, l'honnêteté intellectuelle. Déjà, c'est un critère de recrutement fort. C'est quelque chose que vraiment les gens scrutent. Et derrière, en fait, il faut bien s'imaginer dans une situation réelle. Imaginons, je ne sais pas, quand on me pose une question, je n'ai pas la réponse. Enfin, tu vois, dans un avion, tu ne vas pas t'amuser à bluffer ou à balancer quelque chose au hasard. C'est-à-dire que si tu ne sais pas, tu dis « je ne sais pas ». Et ce n'est pas grave. Et personne ne t'en voudra de ne pas savoir. Tu passeras tout au pire pour un couillon. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, passer pour un couillon, ça sauve des vies, tu vois. Plutôt que de mettre son ego en avant, d'essayer de bluffer, de masquer un manque de compétences, ce n'est pas grave, en fait. Tu vois, il n'y a pas de stress par rapport à ça. Donc l'honnêteté, c'est quand même... parce que tu vois, on va peut-être anticiper une question qui pourrait arriver, mais les gens demandent toujours des conseils pour les entretiens. Je crois que justement, avoir fait ce travail en amont, se connaître, être honnête avec soi, et le jour J, être honnête avec les recruteurs, je pense que c'est une des meilleures manières, je pense, de faire une très bonne impression. Les gens ne sont pas dupes, ils voient passer des dizaines de candidats toutes les semaines, ils ont l'habitude... Et en fait, les gens qui bluffent, ça se voit à des kilomètres quand t'as l'œil qui est un peu aiguisé, ce qui est le cas des recruteurs. Ouais, ils en ont tous les jours, donc... Ils en ont tous les jours. Ça roule. Quelques petits points sur le chat. On a Lord Gibus, hop, oui, ça marche, qui nous dit « on n'appuie pas seulement sur un bouton, il y a aussi le... Au retour de mission, tu te poses plein de questions, donc ça, c'est pour l'aspect pilote de chasse. » Il y a Toilet Paper Kit qui nous dit c'est un milieu avec beaucoup de contraintes, si tu te voiles la face tu vas vers les problèmes, c'est un peu ce que tu disais. Et puis c'est cela qui nous donne un petit témoignage. J'ai une connaissance qui a même fini par quitter le travail de pilote de chasse, notamment parce qu'il déjà ne volait pas assez, mais en plus il n'avait peut-être pas anticipé toutes ces contraintes. Est-ce que toi, dans ton travail aujourd'hui, tu arrives justement concrètement à aller franchir ces contraintes-là de quelqu'un qui vient de voir? Tu as des cas concrets qui nous disent « oui, ben là, ça, chez lui, ça a fonctionné, il y est arrivé ».
Je suis pas sûr d'avoir bien compris ta question. Est-ce que quelqu'un qui a identifié des contraintes données, ouais. Toi, tu as déjà réussi à plusieurs reprises de dire « Ok, maintenant que tu as identifié tes contraintes, tu passes par-dessus et ça fonctionne. » Je vais pas chercher à faire ça, en fait, parce que pour moi, je pense que ce serait le risque que plus tard, en fait, ces contraintes, tu vois, c'est comme, j'en sais rien, moi, quelqu'un qui te dit, le cliché de le mec, il veut pas d'enfant, la nana, elle en veut, et tu vois, tu essaies de convaincre l'autre. Une fois que tu as le gamin et qu'il fait pas ses nuits, tu peux pas le rendre. Tu vois, alors pilote, tu peux en sortir, ça mais dépend. Le coup, il est quand même un peu fort. Je rigole. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, vraiment, j'essaie en tout cas de jamais influencer et de convaincre mes clients que c'est possible, qu'on peut faire autrement. Ce que j'essaie, c'est toujours de les amener à voir le côté qu'ils ne voient pas encore. Donc, en fait, quand j'ai des gens hyper enthousiastes, genre Mathieu, pilote de ligne, c'est toute ma vie, je veux faire que ça et tout, je vais essayer de leur montrer toutes les contraintes. A contrario, une personne qui va arriver justement en me disant... ah mais non, mais là, il y a un tel qui m'a dit ça, je ne pourrais jamais être pilote de ligne. Je vais essayer en fait, toujours d'amener de la nuance. Et vraiment, je crois que le rôle du coach, c'est de donner toutes ces nuances, toutes ces petites distinctions qui font qu'à la fin, en fait, la personne au fond d'elle, elle sait si c'est bon pour elle ou pas. Et si une personne s'engage et que... Parce que c'est... Il y aura forcément des contraintes. Tu veux, moi, j'en sais rien. Moi, là, je suis rentré de Mexico il y a 10 jours. Donc, tu fais 12 heures de vol... T'as 2h30 de repos, quand t'es dans la couchette, en gros, je sais pas moi, ça doit être de 4h à 6h30 du matin, quand le réveil il sonne, t'as dormi 2h30, franchement, si t'avais une lettre de démission à signer, tu la signes direct, c'est pas du tout agréable, il te manque plein d'heures de sommeil. Donc, est-ce qu'il y a des contraintes? Oui. En revanche, c'est que moi, quand je fais mon petit bilan et quand je regarde le métier que j'ai dans sa globalité, bah, les contraintes, en fait, elles sont effacées. Pourquoi? Je vole avec des gens qui sont super... j'ai un super avion, j'ai la chance de le faire dans une belle compagnie, donc avec un super réseau, on a du temps de repos, on est bien choyé chez Air France, et donc en fait, l'ensemble de ces qualités fait que ben, les contraintes qu'il y a pour moi, elles font partie du jeu, et comme je disais tout à l'heure, je crois que c'est la phrase qui est à retenir, je suis prêt à les payer. Ouais, ok, bah c'est un bon c'est vraiment un équilibre. Une fois de plus, cette nuit, c'est ma nuit, pour mon petit, quand à 5h, il va pleurer pour son bib. Est-ce que ça me plaît? Non. Par contre, quand je vois ben, le bonheur qu'il amène dans ma vie, je m'en fous en fait de me lever à 5h pour un quart d'heure pour lui donner un bip, tu vois. Donc okay. C'est plus d'être vraiment conscient de tous les enjeux qu'il y a derrière et de se dire, je prends toujours, j'ai un jeu de cartes toujours pour mes clients. Je leur dis, la vie, tu peux prendre autant de cartes que tu veux. Sur chaque carte, tu vas avoir un côté avec tous les bénéfices, un côté avec tous les inconvénients. Tu as le droit de tirer autant de cartes que tu veux. Par contre, c'est illusoire de dire je veux le positif de cette carte-là, avec le positif de cette carte-là, avec le positif de cette carte-là, et aucun négatif. Ça n'existe pas. Dans 2 semaines, on reçoit un chiot, on a pris un Rottweiler, donc tu vois, un grand modèle. Bon, ben, je sais que je vais avoir un salon de jardin détruit, que je vais avoir des trous dans le jardin, qu'il va y avoir des pipis dans la maison pendant quelques semaines ou quelques mois. En fait, ça fait partie du jeu. C'est juste, est-ce que ça me plaît suffisamment pour accepter tout ce qu'il y a autour? Ok. J'aurais le plaisir de l'éduquer. J'aurai le plaisir d'éduquer. Voilà. C'est vraiment c'est des questions très personnelles et je recommande. Je crois qu'on a pas mal de problèmes d'orientation. Bon, déjà parce qu'on est obligé de s'orienter assez tôt en France et qu'il n'y a pas vraiment de tronc commun. Mais et surtout parce que les gens ne se posent pas ces questions et qu'on est tout le temps en train de nous faire choisir des métiers ou des objectifs en fonction de ce qui est bien dans l'objectif, mais que très rarement on nous pose la question des inconvénients. Et je crois que si on apprenait aux gens à regarder les inconvénients de chacun des projets dans lesquels ils sont prêts à se lancer, je pense que ça éviterait beaucoup, beaucoup d'erreurs d'aiguillage. Oui, bien sûr. Bah, c'est vrai ce que tu dis, parce que j'avais un ami qui s'occupait des sélections, là, Air France, et je lui avais demandé des conseils pour un gamin qui voulait tenter, et effectivement, il m'avait dit bah, faut que le gamin il s'attende à la sélection que, bah, comme tu disais, il sera peut-être pas là pour Noël, il sera peut-être pas là pour sa femme qui va accoucher. Voilà, c'est des week-ends, c'est pas des week-ends, c'est plusieurs jours, c'est partir plusieurs jours. C'est beaucoup de contraintes, faut qu'ils s'y attendent avant la sélection, quoi, l'entretien, et puis il intègre ça. Quoi. Mais vraiment pour moi, quand c'est quelque chose qui te plaît, c'est pas que c'est plus des contraintes, mais c'est que
En fait, ça fait pas le poids dans la balance par rapport au reste. Et je crois que c'est ça. Une fois de plus, je sais pas si vous avez des enfants, mais pour ceux qui ont des enfants et pour qui c'est vraiment le truc, en fait, c'est pas des contraintes les nuits, c'est pas des contraintes. Ça fait partie du jeu et tu les embrasses assez facilement parce que en fait, les bénéfices surpassent tellement les inconvénients que les inconvénients deviennent insignifiants. En revanche, voilà, faut être conscient des inconvénients. Et surtout, je pense que ça permet aussi de doser pas mal de choses. Je prends un exemple très facile. Demain, si tu me dis que tu veux courir un marathon en 5 heures, okay, le prix à payer, tu vas t'entraîner deux fois par semaine et puis ça suffit. Si tu me dis que je veux courir en 4 heures, déjà, il va falloir qu'on regarde peut-être un peu ton alimentation et que tu t'entraînes trois fois par semaine. Si tu me dis, moi, Mathieu, je veux faire un marathon en 2h45, ok, là, tu vois, on va partir peut-être sur 5 ou 6 entraînements. La diète, elle va être super stricte. L'alcool, tu peux mettre de côté. Et en fait, le niveau d'engagement va être très fort. Et donc, ça, c'est pareil. Quel que soit l'objectif que la personne se fixe, il y a le type d'objectif et il y a ensuite à quel point est-ce que l'objectif que j'ai fixé, il est élevé. Et plus un objectif est élevé, plus il va nécessiter que tu mobilises des ressources en face. Et ce que je dis aux gens, c'est juste, soyez sûr que votre objectif ne dépasse pas les ressources que vous vous sentez prêt à mobiliser. Ouais, sinon ça marche pas, c'est logique. Ça me fait penser un peu au programme Apollo. Aller sur la Lune, les gens, ils ont vu que ça en fait. Ils ont vu un gars marcher sur la Lune. Et ils s'imaginent pas tout le boulot qu'il y a eu derrière. Tous les gens qu'il y a eu derrière, tous les gens qui ont travaillé pas d'heure quoi, à la NASA et qui sont pas rentrés chez eux le soir parce que il fallait terminer tel ou tel programme, telle ou telle conception de la moindre chose. Tout ça pour mettre un mec sur la Lune, quoi. Donc c'est vrai que l'objectif est énorme. Donc du coup, pour ça, il faut mettre des moyens énormes, quoi. Et c'est pareil pour chacun. C'est un super exemple. Prends Thomas Pesquet. Il a fait un super boulot de médiatisation justement de son rôle. Franchement, je pense que le nombre de personnes qui vont candidater sur les prochaines campagnes, ça va être monstrueux. Voilà. En revanche, ce que les gens ne voient pas et qui est important de regarder. Déjà, la sélection, je crois qu'il y avait 4000 personnes, dont ils en prennent une. Donc déjà, c'est quand même drastique. Et derrière, tu vois, une personne qui n'a pas envie de prendre la parole en public, une personne qui n'aime pas être reçue à droite à gauche, une personne qui n'aime pas avoir un rôle politique, faut pas qu'elle fasse astronaute, en fait. Parce que ça fait partie du taf. Et donc, si tu le fais juste en imaginant que, tiens, je vais aller faire un tour dans l'espace et puis je vais rentrer, quand on va te confier ces missions de représentation, quand il faut aller à l'EASA serrer des pinces, quand il faut que tu ailles dans des dîners officiels et tout, ça va être très lourd. Et en fait, c'est là que les inconvénients risquent de complètement masquer les avantages. Donc, tu vois, c'est plus ce genre de travail que je dis aux gens. Observez l'entièreté d'un objectif, d'une mission ou d'un métier et voyez si vous êtes prêt à payer ces trucs-là. Après, c'est peut-être une particularité de l'Europe ou particulièrement de la France, parce qu'il y a très peu d'astronautes aussi. Si tu vas à la NASA, il y a tellement d'astronautes américains, eux, ce sont juste des « entre guillemets », sans que ce soit péjoratif, ce sont des ouvriers, en fait. Ils ont pas les mêmes contraintes de communication. C'est-à-dire que quand tu vois en fait, le niveau d'entraînement et la répétition, en fait, il y a beaucoup de choses rébarbatives quand même dans l'entraînement. Tu vois, quand tu es pilote de ligne, quand tu fais une QT, en 2-3 mois, c'est réglé. L'équivalent de la QT chez un astronaute, tu vois, tu pars pas sur 2 mois. Hein. Donc, le simu, tu vas en bouffer, les stages de survie, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses derrière. Donc, voilà, c'est important. Il faut qu'on en parle à Thomas Pesquet. Effectivement, il y a un an, en fait, pour apprendre la station spatiale, et il y a un an d'entraînement ou d'autres choses, quoi. Il y a 2 ans avant de pouvoir partir dans la station spatiale. T'imagines ? Et avec toutes les réserves qu'il y a sur le fait que tu puisses partir ou ne pas partir, c'est quand même très incertain. C'est très incertain. Donc, je trouve ça génial. Il y a des gens... moi, j'avais volé avec un commandant de bord d'Air France, avec Cyril Fournier. Lui, il avait fait la mission d'isolement. Tu sais, il préparait les missions sur Mars. Donc, tu avais au sol, on reproduisait des missions d'isolement. Lui, c'est un mec, il sait très bien qu'il partira jamais dans l'espace. Il a accepté de passer, je crois, 200 jours en isolement, donc avec un équipage réduit, en train de faire des expériences. Tu vois, enfin, moi, c'est un truc... J'en suis totalement incapable d'aller m'enfermer, tu vois, 2 ans avec des gens que je connais pas à but scientifique. Et en même temps, heureusement qu'on a des gens comme lui qui permettent d'anticiper les problèmes qu'il pourrait y avoir sur ce genre de mission. Heureusement qu'on a des mecs comme lui. Mais moi, je m'en sens pas capable. Il aura participé à, tu vois, Nico, à quelque chose de grandiose, quoi. Il faut vraiment qu'on finalise le projet Thomas Pesquet, parce qu'on a plein de questions à lui poser, du coup.
C'est clair. Ah, il doit être fascinant, mais. Voilà. Bon, on arrive sur la fin de l'émission. Donc, il va nous rester les 5 minutes. Je vous propose tout de suite de tourner donc, le dernier volet de l'émission de ce soir. C'est donc la forme aux questions, remise de gaz. 5 dernières minutes pour poser les questions à notre invité de ce soir. Donc, Mathieu qui est avec nous. Et voilà. Donc, c'est parti. Les 5 dernières minutes de la zone aéro et 0K, j'ai raté l'émission, mais je verrai le replay. Oui, je vous rappelle que si vous voulez voir le replay, bah c'est simple. Si vous êtes seul sur la chaîne, vous pouvez le voir immédiatement après l'émission pendant 14 jours. Sinon, c'est à J+15 sur la chaîne YouTube. Je ne sais plus ce que j'ai vu passer dans le chat tout à l'heure. On parlait de pilote d'essai. J'en profite pour dire que l'émission du dernier mercredi de décembre avec le lieutenant-colonel Dimitri de Lepner est en ligne, donc vous pouvez aller la voir, c'est une émission assez intéressante, puisqu'on parlait justement de pilote d'essai avec un cursus de pilote d'essai. Alors, les questions, si vous avez des questions, posez-les. Vas-y Nico. Ah. Est-ce qu'Astronaute m'aurait pu ? Non. Quand il y a eu la campagne en fait, sur laquelle Thomas Pesquet a été recruté, donc on avait tous reçu un petit mot là, chez Air France, j'ai pas postulé. Là, j'ai des potes qui ont postulé la dernière campagne parce que moi, je suis très familier. Et je sais que, tu vois, là, pilote de ligne, c'est le max que je serais prêt à supporter loin de chez moi. Après, c'est compliqué de les monter là-haut. Hein. C'est légitime. Et donc voilà, je suis trop. Voilà, tu vois, moi j'ai mes gamins, j'ai mes chiens, je suis bien. Il faut penser à sa qualité de vie, c'est clair. Oui, c'est vrai que moi je suis très branché sur la qualité de vie. Et donc c'est quelque chose que je trouve fascinant. Mais pour moi, là, typiquement, les sacrifices sont trop forts par rapport aux gains que j'en perçois. Ok. Ouais, c'est sûr, ça se comprend. Alors, on n'a pas de questions, on a deux petites réactions liées donc, à l'émission de ce soir. La première, c'est Free Flight qui nous l'a fait et qui donne un petit témoignage. Lorsque j'ai débuté l'aviation de collection, le responsable m'a demandé si j'étais prêt à sacrifier beaucoup de choses personnelles afin de vivre un rêve. Ça a duré une dizaine d'années quand même, j'ai envie de dire. Mais ça veut dire qu'il y a des contraintes qui sont rattrapées à un certain moment. Tu as des profils comme ça ? Moi, en séance de coaching ? Ouais. C'est ta question. J'ai tous les profils. Je crois que ce que j'essaie une fois de plus, moi, d'apporter le plus à mes clients, c'est de la nuance. Donc, tu vois, ça, c'est quand je vois ça, est-ce qu'on m'a demandé si j'étais prêt à sacrifier beaucoup de choses personnelles. En fait, la question, elle est trop générique. Ce que j'aime, enfin, tu vois, moi, quelqu'un qui me dirait ça, je lui demanderais, ok, c'est quoi les sacrifices, quel temps, quelle durée, ouais. Voilà, de questionner précisément. J'aime pas en fait donner des exemples généraux parce que trop souvent, ils ne collent pas à la réalité de chacun. On a tous des réactions qui sont différentes, nos rêves, ils sont tous très différents. La seule chose que j'essaie de faire une fois de plus, c'est d'aider les gens à écouter, tu vois, l'espèce de petit murmure qu'ils ont à l'intérieur d'eux. C'est quoi le plus gros rêve qu'ils ont? Et de mettre ce rêve-là à l'épreuve de la réalité, et s'ils se rendent compte que ça leur plaît, d'y aller plein pot, en fait. Ouais. C'est un vecteur, un catalyseur d'encouragement, on va dire. Par contre, tu vois, ce que je déconseille, c'est d'écouter trop l'entourage. Ah oui. Parce qu'ils ont... Enfin, moi, 50 fois, on m'a dit, ah, tiens, tu viens de Narbonne, t'es pas du milieu, t'es pas du machin, t'y arriveras jamais. Quand j'ai fait de l'hypnose, pareil. Quand j'ai commencé à coacher des dirigeants, attends, mais t'as jamais une grosse boîte, tu te prends pour qui pour coacher des dirigeants? Donc, heureusement que j'ai pas écouté grand monde. Et ce que je sais, en fait, si j'ai une intime conviction, c'est que les gens, au fond d'eux, ils savent s'ils sont capables ou pas capables, du rêve qu'ils ont. Et tu vois, si ta petite voix, elle te dit que t'en es capable, et c'est un vrai travail, hein, mais d'essayer d'apprendre à mettre de côté la voix des autres. Ouais, c'est ça. Petite réaction de Toilet Paper Kit qui dit « Je trouve que c'est un problème actuel. Les jeunes pilotes pro ne voient que les licornes et les étoiles et ne se rendent pas assez compte de la réalité du monde professionnel et des contraintes associées. Il manque clairement de formation sur ce qu'est réellement le métier de pilote de ligne. » Donc ça, c'est une contrainte. Ouais, mais c'est notre faute à tous. C'est-à-dire que c'est un peu la génération Instagram, YouTube, machin, où... Et pour ça, enfin, moi, vraiment, je vous félicite pour le travail de qualité que vous faites parce que vous abordez des sujets
dans le fond. Vous avez des exemples concrets, vous faites parler des gens dont c'est le métier, et donc en fait on donne une image réelle. On n'est pas en train de dire aux jeunes bon ok, si tu bosses une heure par semaine sur ton téléphone, tu vas prendre 100 000 euros par mois, tu vois. Et je crois que ce qui fait beaucoup de mal, c'est ça, relayé par les médias. Et effectivement, quelquefois il y a une distorsion énorme entre la réalité d'un métier ou d'un projet et la manière dont c'est présenté. Et oui, bien sûr. C'est pareil, hein, si tu imagines que pilote de ligne, c'est juste pour aller fricoter avec des hôtesses et passer 10 jours de vacances gratos à l'autre bout de la planète, bon, il y a un moment où le mur, tu vas le prendre en pleine face, parce que la réalité du métier, c'est quand même très différent. C'est vraiment différent. Je vais faire autre chose. Ouais, c'est cela. Chacun a ses biais et projette aussi ses peurs et son manque de courage sur l'autre. Ça aussi, le transfert. Exactement. Mais ça, beaucoup. Et c'est pareil, hein. Je sais que dans les forums, il y a tout. Il y a des forums très, très quali qui permettent de bien préparer les sélections. Il y a aussi des forums où des gens qui ont raté 10 fois le concours t'expliquent comment il faut que tu fasses pour réussir. Mettez du bon sens, en fait, là-dessus. Est-ce que ça vous semble juste pertinent? Est-ce qu'à votre avis, ça marche? Enfin, vraiment, de développer cette faculté critique et de pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous raconte. Si vous voulez des... Enfin, aujourd'hui, des pilotes en France, il y en a plein. Si vous voulez vous faire un avis, demandez à être mis en relation avec un pilote. Parlez en fait avec des gens qui savent de quoi ils parlent et posez-leur les vraies questions, en fait. Ouais, il faut aller au charbon, en fait, c'est ça. Et au charbon, ça se mérite, comme beaucoup de choses. Effectivement, on l'a oublié aujourd'hui que les choses se méritaient quelquefois. Ça se mérite. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un milieu de passionné et je connais pas beaucoup de pilotes qui prendront pas le temps de répondre aux questions de quelqu'un dont c'est le rêve. Ouais, bien sûr. 95% des pilotes prendront le temps, une heure, deux heures, aller prendre un café, aller boire un coup avec quelqu'un qui rêve de faire ça, lui donner des tips, l'aiguiller, lui renseigner sur la réalité du métier, lui montrer son planning. Moi, très souvent, bah, tiens, clac, je fais un screenshot de mon planning pour les gens qui me demandent, je leur montre. Voilà ce qu'est un planning de pilote. Et on peut en discuter. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, ça a plu, hein, parce qu'il y a pas mal de gens qui disent qu'ils ont trouvé l'émission très instructive. Delta Combo 22, par exemple. Pour les recadrer un peu. Ouais, après, ça reste quand même un métier, je trouve, où il y a quand même pas mal de gens bien, bien motivés, quand même. Ouais. Je ne suis pas des aéroclubs où je vois des jeunes, j'y vais moins parce que je n'y vais même plus du tout. Mais quand j'allais en aéroclub, je voyais des gens quand même très, très, très motivés. Bon, y a un jeune, dont je ne peux pas donner de nom, mais qui faisait du planeur là où j'étais. Il avait fait le BIA, évidemment. Il se tapait tous les jours pour aller au club de planeur, 50 bornes de vélo aller, 50 bornes de vélo retour. Enfin, ce mec-là, je sais que le jour où il arrive aux sélections en France, et c'est ce qui s'est passé, enfin, c'est les doigts dans le nez, en fait. Le mec, il a une telle motivation. Et de toute manière, s'il n'est pas pris chez Air France, il ira ailleurs et il rebondira. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose à cultiver. C'est comment est-ce que tu affûtes ta motivation et comment est-ce que tu la mets à l'épreuve de la réalité, quoi. C'est qu'est-ce que tu es prêt à investir? Et quand je vois quelqu'un qui est capable de faire, je ne dis pas qu'il faut faire ça pour y arriver, moi je ne l'ai pas fait, mais quelqu'un qui fait 100 bornes de vélo pour aller faire quelques heures de planeur, bon. Ouais, c'est qu'il en veut. Il y arrivera. Ouais, c'est ça. Bah, tu vois, Nico, il faudra que tu viennes présenter l'émission en vélo. Un bon signe de motivation. Tu vois? Bon, on arrive au terme de cette émission, donc avant d'avoir le mot de la fin avec Mathieu, donc on est ravis que cette émission vous les trouviez instructive, et effectivement on aborde aussi autre chose que le pilotage dans la zone aéro. On va regarder ensemble le programme à venir pour les prochaines émissions. Alors hop, on bascule ici et on va donc commencer, avant de retrouver Mathieu dans une seconde, par l'émission de la semaine prochaine, puisque nous aurons le plaisir de découvrir ce qu'est le paramoteur, les amis. Si on ajoute donc un moteur sur un parapente, on obtient un paramoteur et Fabrice Cambon, qui est instructeur paramoteur, viendra ici en plateau pour nous vous expliquer ce que c'est que réellement l'activité de paramoteur, comment est-ce qu'on est formé, quels engins il existe, comment lui il est devenu instructeur. Vous pourrez lui poser toutes vos questions et on aura en plus un invité surprise qui sera là justement pour lui poser aussi des questions. Donc il faudra être là la semaine prochaine. Attention à l'heure, c'est 19h30 la semaine prochaine et non pas 20h30. 19h30 avec Fabrice, plus un invité surprise que vous connaissez peut-être si vous êtes sur Twitch, j'en dis pas plus. Non, c'est pas Thomas Pesquet. Pas encore. Ça viendra peut-être, ça viendra, mais pas encore. Ensuite, on se
Propulse au 21 janvier à 19h pour l'émission numéro 2 de Push to Talk avec nos chroniqueurs. Et il y a déjà Asgard, Pierre et Adèle qui sont positionnés. Il y a un quatrième slot qui va sûrement se remplir. D'ici là, ce sera le 21 janvier à 19h. Peut-être que Nico sera là aussi pour la deuxième donc, de Push to Talk. Donc la libre antenne de la zone aéro sur laquelle vous pouvez d'ailleurs intervenir en local et sur le serveur Discord, hein, on aborde tout plein de sujets et les gens prennent la parole et on discute tous ensemble. On a parlé dimanche dernier justement des crashs du Japon, enfin voilà, donc c'est, ça permet d'échanger avec vous. Ensuite, on se reporte, et là Daniel, tu vas nous dire, parce que le 24 janvier à 20h30, on reçoit un ancien général, ouais. Patrick Dutartre, ouais. Carrière assez incroyable. Oui, oui, Patrick, c'est un direct de l'armée de l'air qui a fait pas mal de choses et qui maintenant, vous pouvez le voir sur LCI souvent, est devenu un peu expert dans tout ce qui est aéronautique, avion de combat, et vous le verrez le 24. Le 24 à 20h30, on va aborder avec lui quelque chose qui est assez intéressant, c'est la culture du pilote de combat. Donc, dans quelle mesure un pilote qui peut être, je sais pas moi, russe, va prendre en chasse un autre avion. Est-ce que l'aspect culturel va rentrer en ligne de compte? Comment est-ce qu'ils sont formés? Oui, alors il y a aussi des questions qu'il faudra lui poser. On parle de l'Ukraine, on parle d'avoir des F-16, d'avoir toutes sortes d'avions. Comment on transforme un pilote qui est sur un avion classique, on va dire, sur un avion moderne? Ouais. Parce que quand on écoute les informations, ça y est, le mois prochain, non. Tiens, voilà, les clés montent dedans. Patrick expliquera que ça ne se fait pas tout seul. Ça sera des questions. Les cultures plus ou moins agressives, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Donc c'est le 24 janvier avec Patrick Dutartre qui sera avec nous, 20h30, notez bien la date. Et on termine ce mois de janvier 2024 par les hélicos. Puisque nous recevrons Julien Picard, qui est pilote instructeur hélico depuis de nombreuses années. Il a une carrière militaire, maintenant il est dans le civil. Et il a une spécialité, c'est qu'il est pilote d'hélicoptère SAMU. Donc on parlera avec lui justement des avantages, de ses contraintes de pilote d'hélico SAMU, de son quotidien. Et vous pourrez lui poser également toutes vos questions dans le chat. Et puis... Et des fois, oui, et souvent dans des conditions très délicates, météo, pour aller sauver des gens, quoi. Oui, et puis se poser dans des endroits un peu ouais, fous. Voilà, on aura la chance d'en discuter avec Julien. Et puis dernière chose, on le rappelle, hein, on vous remercie beaucoup, puisque depuis hier, nous avons passé le cap des 1000 followers sur les zones aéro. C'est le petit visuel qu'on a partagé sur les réseaux sociaux pour remercier tout le monde. Et puis on va continuer sur ce cap-là. Donc, direction les 2000. Hein. On a le temps. Hein. On a le temps. Voilà. Donc, ça, c'est le programme qu'on vous a concocté, qu'on vous a prévu pour le mois de janvier 2024. Et on peut même annoncer que le 7 février, eh bien, nous aurons le plaisir de recevoir M. Jean-Baptiste Djebari, l'ancien ministre des Transports, qui participera à la zone aéro. Vous pourrez aussi lui poser vos questions. Donc, du beau monde. Oui, du beau monde. Question bête, la zone aéro, vous avez fait un peu de pub sur les forums FR de l'aviation. Personnellement, je ne vous connaissais pas. Pas tellement, en fait. Pas tellement, mais Toilette Paper Kit, on peut te déléguer cette mission de pouvoir faire de la pub pour la chaîne sans aucun problème, avec grand plaisir. On n'a pas forcément les budgets ou vraiment le temps d'aller dessus. On fait ça bénévolement, hein, vous le savez, et donc on essaie de faire au mieux, mais c'est vrai qu'on peut pas être partout et il faudrait vraiment travailler à plein temps là-dessus, et ça prend déjà beaucoup de temps. Voilà, le mot de la fin avec notre invité, avec Mathieu. Ah bah c'est Slack, voyez, qui vient de faire qui vient de prendre sa carte des 2 mois et qui déclenche la manche air, qui s'ouvre. Ouais, ouais, ouais. Le commandeur là, Compris, hein. Merci CESLAC pour le soutien. Faites comme CESLAC, hein, si ça vous plaît. On a le projet du studio mobile d'aller au contact de tout le monde, d'aller proche des avions, peut-être même dans les avions. Voilà, on est en train de travailler là-dessus sur une solution mobile qui nous permettrait de faire des directs à droite et à gauche avec les gens qui sont au cœur des métiers et des appareils. Donc Mathieu, merci beaucoup pour ta participation. Un petit mot de la fin pour conclure.
Non, mais je crois que c'est des métiers qui sont tellement passionnants que le seul conseil que j'ai à donner, c'est voilà, pour tous ceux qui sentent qu'il y a ce petit murmure à l'intérieur, comme je disais, bah, de l'écouter et surtout de faire en sorte de ne pas le laisser être pollué par soit le discours des autres, soit des petits doutes qu'on peut avoir. Donc de l'écouter et puis d'y aller plein pot, quoi. Eh bien voilà, voilà. C'est un beau mot de la fin. Bien, et eh bien les amis, je regardais tout à l'heure, j'avais prévu, enfin on avait prévu de basculer. Ah, qui est-ce qui arrive? Ah ben c'est Tolère Paper Kit qui vient de prendre son abonnement. Merci beaucoup à toi. Et ben merci pour le souffle. Ça va se mettre deux fois, il va être malade. Merci Lord Gibus, merci à vous pour cela, est très intéressant, bonne nuit, parfait. Tu vois, Daniel, c'est pas la bonne place avec le truc. Si, on est bien. Mais l'été, c'est bien. Ah, les dents, ça rigole pas, là. L'été, c'est bien. Bon, Mathieu, merci beaucoup. Ajulot, je vous propose qu'on bascule. Chez qui on va basculer, d'ailleurs, parce que j'étais en train de regarder. Eh bien, je vous propose de basculer chez Captain Haddock, parce que c'est un streamer qui est assez cool, qui fait pas mal de vidéos. Il a fait aussi quelques reportages rapides sur l'aviation, sur des compagnies. Là, je ne sais pas ce qu'il fait parce que c'est l'anniversaire de sa chaîne. Ça fait 2 ans, je crois, 3 ans. Live des 48 heures. Donc, il doit faire 48 heures non-stop. Je ne sais pas comment ils tiennent. Mais voilà, il va faire 48 heures non-stop. Alors, Asgard, est-ce qu'il est encore en ligne, Julot? Parce que je crois que Asgard n'est plus en ligne. Il faudrait que tu vérifies. Si Asgard est en ligne, on part chez Asgard. Sinon, on peut basculer chez Captain Haddock. Le temps que Julot règle le raid et qu'on lance le générique de fin, restez le temps du générique évidemment et envoyez des émotes sur la nouvelle chaîne sur laquelle on arrive. Hein. Comme ça, au moins, ça fait connaître la zone aéro. Je vous rappelle que pendant la semaine, je vous invite vivement à rejoindre le serveur Discord de l'émission. Vous l'avez sur le site lazoneaero.fr, dans les petits pictos en bas, vous cliquez sur Discord, vous acceptez le règlement, parce qu'il y a un règlement accepté, et puis vous avez accès à tous les salons, et sur ces salons, vous retrouvez l'intégralité des informations autour de la zone aéro, à savoir les liens importants. Il y a une rubrique souvenirs de vol, dans laquelle il y a des pilotes qui postent des photos de pilotes. Alors, Julot, pour te répondre, Captain Haddock, c'est CPT-du-bas, Haddock-du-bas. Voilà, tu devrais pouvoir le trouver, ou si un des modérateurs peut l'indiquer. Donc oui, sur le Discord, vous trouvez les liens, vous trouvez des photos, et surtout, vous allez pouvoir retrouver la nouvelle rubrique, qui est celle de Push to Talk, puisque vous, sur le chat, vous avez vraiment, vous êtes encouragés à venir donner votre avis, à discuter avec nous et avec les chroniqueurs les dimanches, le premier dimanche et le troisième dimanche du mois, au sujet de la zone aéro. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. On lance le générique de fin. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même endroit, même fréquence, j'ai envie de dire. Et n'hésitez pas à partager les vidéos, rejoindre les réseaux sociaux. Et puis, vous abonner aussi sur les chaînes de replay. On envoie plein d'émotes au Capitaine Haddock dans un instant. Bonsoir à tous. Passez une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Ciao, les amis. Bye bye.